Oh, Discord là. Oh. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour aux autres. Comment ça va? Moi, ça va, je me réveille, mais ça va. Je suis trop smart. Ce matin, j'ai pas mis de réveil. Parce que je me suis dit, bon, de toute façon, je me réveillerai avant 14h, c'est bon. Et je me suis réveillé pas mal de fois au début de la nuit, mais genre, enfin, ouais, genre vers 9h, 10h et tout, ce qui est beaucoup trop tôt. Je me suis dit non, tranquille, je me rendors. À un moment, je me réveille vers 11h, je me dis encore trop tôt, je me rendors, je me réveille à 13h. C'est bon. Du coup, j'ai le seum. D'ailleurs, je vais aller me prendre un petit café et je suis à vous. J'arrive. Et rebonjour. Let's go. Hop là. Ça m'est bien. Linkin Park, Kanye West, tout ça. Hein. Kanye. Ça m'est bien. Oh, on a déjà écouté hier celle-là. Oh, celle-là, ça fait longtemps. Let's go. Je suis où? Je suis là. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, la tête du réveil trop tard. Comment ça va? Pourtant, je suis en forme, hein. J'ai dormi presque 10 heures. Ah non, peut-être un peu moins. Moi, bon, je sais plus. Mais non, ça va. Juste, je viens de me réveiller, donc j'ai la tête réveillée. C'est grave, hein. En vrai, ça aussi, je trouve, c'est un des méfaits de la clope. Genre, les réveils sont durs, genre, t'as la gorge, elle est niquée et tout. Genre, c'est compliqué. En plus, quand il fait chaud et que tu dors, tu sais, dans le chaud et tout. Ouh. Voilà. Mon visage colle parfaitement avec mon titre. J'en ai conscience. Ne vous inquiétez pas. Bon, et du coup, ouais, aujourd'hui, ça va être stylisme. Journée stylisme, on va se faire des petites tenues et tout. J'ai cherché de l'inspi. Je suis allé sur Google Images, j'ai tapé genre défilé mode homme. On va peut-être pas s'inspirer de tout ça parce que c'est très très grave. Hein. Les couturiers, c'est un game très particulier quand même. Hein. Ils font vraiment des tenues ignobles et ils sont là en mode non, mais enfin, c'est insane. Je vais pas vous montrer les images parce que flemme et tout, mais il y a des bails, t'es là, genre. Genre, si tu t'habilles comme ça en vrai, t'es juste un. T'es un connard en fait. Il n'y a pas d'autre mot. Et eux, ils le font, genre, super cher, en mode défilé de mode. Genre, regardez un peu ma nouvelle trouvaille. Non, mais j'ai décidé. Je vais essayer de saper Peter en techwear. J'aime trop le techwear. Mais c'est un truc que je pourrais jamais porter IRL, parce que je suis éclaté. Mais c'est stylé en vrai. On va se faire ça. Ouais, pour le reste, on verra bien. Hein. Déjà, là, je pense qu'en vrai, il doit pas y avoir grand monde sur le serveur, donc un petit peu de vêtements d'habillage. Et voilà. Après, pour le reste, on improvise. Le suspense aussi, c'est est-ce que 5M va marcher? La réponse tout de suite. Okay. Bon, comment ça va vous? Bien dodo, bien réveillé, bien bossé, j'en sais rien. Il y en a qui bossent? Terrible ça.
Putain, il y avait eu un mème sur Dofus à la base, c'était quoi déjà? Ah, je m'en souviendrai pas. De toute façon, c'est pas si drôle si on l'a pas vécu, mais putain. Un chômeur qui avait lâché un message à tout le serveur, genre, c'était repris. What? Pendant une seconde, j'ai eu un message qui s'est affiché. J'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y avait, mais il y avait marqué Banned. Bah, frérot. Non, c'est bon, ça va bien. Ah, depuis Omegle, moi je suis parano de tous ces trucs aussi. Hein. Complètement parano. Manipulate parano. Elle est trop bien cette musique en vrai. Hein. Ok, j'ai l'air de se lancer correctement. Tout est bon. J'ai pas de souris par contre. Ça c'est un peu plus chiant. C'est bon. Ok. Bon, je vais vous couper la musique. Tiens, il y avait une mise à jour de GTA. Je sais pas trop ce que ça signifie. Mais il y en avait une. Ah oui, TS. More fucking TS. C'est trop chiant. Je vais attendre un peu pour me connecter. Bon ouais, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Du coup, ouais, le programme d'aujourd'hui, c'est 14-17 là. Donc je pense que ça va être là. Parce que du coup, oui, ce soir, il y a le, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a le défilé de mode organisé par Wizard News. Je sais pas où ce sera ni comment ça va se passer, mais bon, on verra bien. Et pour avoir l'entrée gratuite, j'ai dit que je voulais défiler. Parce que si on est modèle, on ne paye pas l'entrée. Donc, vous connaissez Peter, hein. Prêt à tout pour ne pas payer. Donc voilà. Il faut que je mette de l'argent en banque. Ah oui, mais non, si j'achète des vêtements. Ah oh non, je vais peut-être passer en dessous du seuil stratégique. Terrible. Outils. Non, moi. Pack de son. Deactivate. La seconde. Ah, ça y est, les bip-bip. Les bip-bip qui commencent. Donc ouais, on va se trouver des petites fringues. On va se mettre bien. Je vais me faire quelques tenues, je pense. Et on verra bien. Parce qu'en fait, je sais pas du tout dans quel thème je dois me situer, quoi. Est-ce que je dois venir genre habillé n'importe comment en full troll? Est-ce que je dois être genre classe? Est-ce que je dois être stylé un peu genre dans un truc un peu original? Tu vois, je sais pas du tout. C'est pour ça que je vais essayer le techwear, parce qu'en vrai, le techwear, c'est trop bien. Ça passe partout, ça passe dans un truc classe, un truc hood, un truc normal, casual. Vraiment trop beau le techwear, mais ouais, faut avoir un certain charisme de base pour pouvoir le porter, ce qui n'est pas mon cas, donc compliqué. Ah, la fin des pipip, je suis où? Ah oui, c'est vrai. Eh oui, souvenez-vous, je vous mets le son du jeu. Oh la dingue. Attendez, on va peut-être pas rester en plein milieu de la route. Après, en vrai, je suis pas loin. Ouais, je suis pas si loin, je peux le faire à pied. Voilà, Peter. Moi, ça va, j'étais déjà parti, mais je pense que ça risque de péter s'il continue à vouloir nous chauffer. Merci l'information. La seconde. Qu'est-ce que... Non, mais je vais aller me... Quoi qu'en plus, bah, y a un magasin de vêtements juste là. Hein. En vrai, go. Pas besoin d'aller au custom. C'est lequel ici? Bah, c'est le Ponson Bees ici, je crois. Peut-être aller voir au concessionnaire après, voir ce que je peux trouver comme voiture. Une vraie fork mobile. Ouais, c'est le Ponson Bees. Après, est-ce que sur la map, il y a le nom des magasins?
Non, c'est juste vêtements. Genre par exemple, ceux-là doivent être un peu différents. Donc ça c'est un Ponson Bees aussi, c'est sûr. Celui-là peut-être pas. Je sais pas trop. Il va falloir aussi que je me trouve plein de petits accessoires. Je vais me mettre à poil d'abord, je pense. Ah mais attendez, elle est enregistrée cette tenue? Ah, faut que je passe chez moi en fait. Et ce serait mieux si j'avais une voiture. Bon, je passe au custom, je prends ma voiture, je vais chez moi. Je gère mes tenues. Parce que sinon je vais encore perdre tous mes vêtements et tout, ça va être trop chiant. Allô? Ok, je testais la... le Tokovoip. Ah. Est-ce qu'ici, moi? C'est par là en plus, non? Attends, c'est quoi la différence entre les deux? Ah, celui-là? Attends, pourquoi? Ouais, bon, de toute façon, c'est par là. Je le sais. J'avoue, je sais pas où il emmène le truc de gauche. Pourquoi il est beaucoup plus haut? La rue est pas si pentue, quand même. Je sais pas si vous voyez sur la map, il y a un genre de petite boucle. Juste à gauche de ma flèche, là. Peut-être là que ça mène. Ce serait bizarre. On va regarder. Ah bah oui, ici. Il y a une route ici. À quoi ça sert cet endroit? Incompris. Très bien. Est-ce qu'ici, moi? Mais attends, mais je suis un connard. Elle sera pas... Elle sera pas au garage, ma voiture. Elle est en foufou. Est-ce qu'on n'aurait pas eu un don de véhicule récemment? Ce véhicule-là, il est donné, il est cadeau, non? Ah non. Peut-être celui-là? Oh, pas de véhicule cadeau, sérieux? Oh, c'est là que je regrette d'avoir mis la GT en fourrière. Terrible. Bah ouais. Je vais pas prendre un véhicule d'entreprise pour l'abandonner à la fourrière. Putain. Bah je fais quoi de ma vie? J'ai à manger, je crois que j'ai pas à manger. Ouais non, je vais prendre un petit truc sur moi quand même. C'est pas là. C'est pas là. Pas du tout. Double cheese. Ouais, non, ça c'est mieux. Allez, 5, ça ira. Let's go. Enfin, je sais pas si c'est mieux en termes de bouffe, mais je préfère. J'ai du fast-food tout le temps, là. Alors qu'on pourrait avoir des salades composées délicieuses. Quelqu'un veut me donner un véhicule? Après, ici, c'est quand même interdit de stationner, ici. Hein. Eh bien, je l'emmène à la fourrière. Parfait. Parfait. Stationnement interdit. Bah, faut que je me change. Bah, je me change. Je suis habilité à l'amener à la fourrière. Personne ne peut rien me dire. La justification est parfaite. Au secours. Au secours. Merci. Il garde son sac tout le temps, hein. Ça c'est trop chiant. Plutôt agréable. Et yo, Dostros.
Comment ça va? On va cut par l'hôpital. Je suis jamais passé par là. On est bien là Pas ouf. Pas ouf le passage. Ah oui, pas ouf du tout en fait. Ok. Très bien. Quoi de beau en ce magnifique... Eh, petit toit, en vrai, je l'aime bien. Hein. Oh bonjour, c'est pour un don. Attends. Bonjour monsieur, excusez-moi. Ah mais c'est vous qui m'aviez donné la... Non pardon, pardon, excusez-moi. Oui, oui, tout va bien. Oh ça va, je me réveille tranquille, mais ça va. Elle est encore ouverte. Merci monsieur, vraiment vous régalez à chaque fois. Hein. Ça fait très plaisir de faire affaire avec vous. Vraiment le gars sûr ce PNJ. Il ferme jamais ses voitures. Je vais où? C'est pas par là. C'est vraiment trop chiant. Comment mon PC peut pas run GTA 5? Bon, après, il y a peut-être un milliard de trucs qui tournent à côté, c'est vrai, mais bon. En vrai, GTA 5, c'est pixel, c'est juste. Voilà. Je vais peut-être pas suivre la police en véhicule volé. Alors, c'est un véhicule qui m'a été donné, certes, mais quand même. Je vais où? Ah oui, je me fais niquer. Mais je me souviens. Non, mais je peux passer par là. Voilà, donc. C'est bon. Oula, là. Tout va bien. Pardon, excusez-moi. Faut rire. Excusez-moi, je suis avocat garagiste. Ce truc d'avocat, je dis mais quand même. Quel craquito. Qu'est-ce que... Hein? Ah mais c'est pas celle-là que je voulais aller. Ah oui, il y en a deux. Mais elle marche. Ça fonctionne ici. C'est où? Ça doit être là. Ça fonctionne peut-être pas tant que ça, du coup. Hein. Bon, on va aller à l'autre, elle est juste à côté. Je me disais aussi, j'avais pas du tout reconnu la fourrière, là. Mais attends, mais je vais... Mais je suis un connard. De première heure, hein. En vrai, je suis dans le top 5 connards. Je pense. World. C'est de la police la première, ok. Enfin, ça me fait mal de quitter ce véhicule, hein, mais Peter Fork, c'est pas un hooligan. Par contre, si ma voiture est pas là, je me déteste. Oui, non, mais de toute façon, elle est là à l'infini. Ah, on rétrograde un peu. Hein. C'est pas la même catégorie de véhicule. Vraiment me saper au bingo là. Et ouais, bien sûr que oui. Bon. Début des choses sérieuses. Ah oui, d'abord, texto à Lily. Quel enfer. Bonjour. J'ai pas mal de questions par rapport
Ah, ce soir, pourrait me contacter dès que possible. SVP. J'aurais dû signer. Alors, bon, le début de l'enfer. Ah non, avant tout. Ici. Bah frérot, j'ai appuyé sur F5, il s'est changé instant. Ah, mais le bas, tu peux l'enlever s'il te plaît ? Merci. Attention aux tétons, hein. Je sais qu'on est sur Twitch, donc très très attention aux tétons. Très bien. Alors, oh la dingue. Tiens, on va mettre un t-shirt tout de suite, voilà, pas de tétons. Je pense qu'on va plutôt commencer par le bas en vrai. Voilà, ça c'est parfait. Ah non, ça laisse les tétons apparaître. Voilà, parfait. Niveau des jambes, qu'est-ce qu'on peut se trouver de... Eh, ça en vrai... Attendez, on va commencer de 1. Je veux pas le savoir, je veux pas savoir ce qui se passe. Ça va être un bon pour le défi de ce soir. Exactement. Exactement, mais c'est vrai que je sais pas trop... quoi faire. Mais, enfin si, j'ai ma petite idée, mais... Mais Peter Falk, il a jamais été en civil, enfin, autrement qu'en... Bah... Bref, enfin, voilà, quoi. Bon, c'est le matin, me demandez pas d'utiliser des mots pour parler. Je vais parler en onomatopée. Ça, en vrai, j'ai vu énormément de défilés où les queues étaient en robe. En short, pardon. Séance de shopping avec les sœurs Cooper ce soir. Oh, la chance. Mais il y a un prix à gagner si on est plus stylé que les autres. Ouh. Non mais soyons sérieux une seconde. Ouais. Ah. Ok, très bien. Ok. Oh. Mais c'est ça le problème, c'est que je sais pas en fait le mot d'ordre. Genre, est-ce que techniquement, si je fais ça... Couru d'avance, non mais pas du tout, pas du tout. Alors, je vais t'envoyer. J'ai pas d'expression. Arrêtez avec me demander des mots là. Ah ça c'est Techwear. Ok. Bah en vrai comme ça, la tenue est parfaite. Je pense qu'il y a pas besoin de continuer. C'est faux. Le dress code, c'est cocktail, lumière, musique. Ouais, mais pour les invités. Enfin, justement, pour les clients. Ça défilait des sœurs Cooper, faisant que ce soit de bon goût. Ah bah... Parce qu'on est d'accord. Cocktail, lumière, musique, c'est pour les invités. Eh, petit bail de Chippendale comme ça, moi ça me parle, hein. C'est faux. Mais il m'a remis son collier, ce con. Je vais niquer. Je vais niquer tous. C'est pas clair, c'est une communication des coupeurs. Eh, c'est vrai, c'est vrai. Déjà, c'est pas la bonne date, donc... Très bien. Magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. Cette chemise me va ravir. Qu'est-ce qu'il faudrait en vrai, un t-shirt blanc classique avec peut-être des inscriptions? Genre ça? Non. Ouais, non. Non, mais arrêtez avec les chemises. Non, mais il faut que ce soit assez court. Ouais, ça? Non. Bisous, pas mieux. Tu bosses dans quoi? Oui, non, vas-y, va bosser, je vais pas te retarder. Et bon courage. Ça, c'était queer as fuck. Ah, très bien. D'accord. Oh, et ça, en vrai. D'accord, très bien, merci. Dostros est au courant, ok. Bah Dostros, du coup, elle bosse dans quoi, Palmio?
C'est bizarre comme conversation. D'essayer de s'intéresser aux gens, mais quand ils sont pas là. Eh, ça aussi, un petit flow. Pas se mentir. Technicienne de laboratoire? Alors, ok. C'est-à-dire? C'est quoi une technicienne de laboratoire? Oh! Et en vrai? Ouh! Ça, c'était quoi? Alors ça, c'est du techware comme j'en ai jamais vu. Ah mais la coupe est dégueulasse du coup. Pas avoir genre... Y'a pas un truc full? Non. D'accord. Analyse des prélèvements à l'hôpital pour savoir s'il y a des parasites ou des champignons. Ok. Ok, ok. Quel enfer. Quel enfer ce système d'habillement. Qu'est-ce qui branle? Non mais c'est bon, non mais toujours plus. C'est moi tranquille. Ouais, il faut vraiment un torse en fait. Hein. Ils sont tous moches. Bon allez, on va partir sur le 15. Et du coup c'est un laboratoire d'analyse quoi. Ouais non mais c'est chiant hein. Parce qu'en fait, ils sont faits pour être mis sur, sous un torse. Donc ils laissent apparaître que ce qui n'est pas caché par le torse. Genre ça, typiquement, c'est si t'as un torse, bah je peux pas vous montrer, mais genre qui couvre les épaules, genre... Ouais, un exemple sera plus simple. Voilà, bon, typiquement ça. Ouais, genre ça, bah tu peux avoir ceux qui sont tout longs, voilà. Alors qu'en fait, là, ça passe, mais en fait, le truc est comme ça. Voilà pourquoi c'est mal foutu. Non, c'est le 15 qui est invisible, je crois. Oui. Ok. En fait, le t-shirt, c'est la sous-couche, quoi. T'as peut-être des t-shirts dans la catégorie torse. Oui, bah c'est ça. Ouais. Et tu mets rien en t-shirt. Ouais, ouais, bah je pense que c'est à peu près ce sur quoi on va partir, mais... Mais en fait, moi, j'aimerais bien avoir les deux. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pourrait se trouver? Ça? Ça fait trop, trop police. Ouais, non. Après, c'était quoi, hein? Ouh. Ça, en vrai, ça fait grave défiler, hein. Dans les inspi que j'ai trouvé, ah, torse invisible, la seconde. Oh, un petit crop top. Oh, je crois que je suis archi chaud. Il y a quoi comme coloris? En vrai de vrai, hein. Elle donne quoi là cette tenue? Elle est pas magnifique? Magnifique. Je peux avoir tout? Mon corps? Non. Ah si, attendez, on peut pas? Non. Y a, parce que là, pas moyen de dézoomer avec des trucs. Non. Non mais arrête avec ton carnet. En vrai? Ah si, dans le miroir, mais il est dégueulasse. Bon, faut que je change de bras, mais. Eh, hey, y'a un flow! Genre, ça fait défiler. Créateur qui pète un câble. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, ça à moi. Ok. Ouh, ça, c'est bien. On a de la couleur. Mais non, mais je suis trop con, faut que je m'habille en avocat-garagiste. Mi-avocat, mi-garagiste. Genre... Un haut d'avocat, donc un truc genre très formel. Qu'est-ce que... D'accord.
et un bas de garagiste. Ou genre une cravate sur un truc vraiment garagiste. Ça va essayer. Ça. Non mais c'est trop grand, en fait. Ça cache le reste des vêtements et ça me laisse pas m'exprimer. Ça, c'est pas mal. Ouh. Bon, alors, je suis pas un gangster, donc tout ça, c'est... Bah ça, en vrai, hein. C'est un grand classique, hein. Tu l'avais pas mal, hein. Et genre là-dessus, on peut rajouter un petit t-shirt custom ou un crop top. Y'en a pas un avec marqué Los Santos Custom? Ce serait mon plus grand rêve, hein. Ils sont tous invisibles? Oui, d'accord. Non mais les trucs de la peau... En vrai, oui! Petit gilet jauné. En vrai, elle est pas mal cette tenue. Genre premier degré. Attends, on va changer de bras. Ils sont bien ceux-là? Ça m'a l'air. Il y a un bail, hein. Ça ressemble à ma tenue actuelle, mais en mieux. Après, je crois qu'il y a un problème de fuite, quoi. Non mais, putain, barrez-vous con de mime. Je veux bien d'autres... Ah oui, non. Ah, c'est que les chaussures, du coup, qui vont... Ok, ouais. Bah ça, c'est juste des pixels. Y'a pas mieux, en fait. Genre, le drip est phénoménal. J'allais le voir. Hein. Je crois que c'est vrai qu'il me faudrait des chaussettes montantes. Non mais ouais, un truc comme ça au pire. En vrai, drippé. Et très très drip. Bon, je pense que c'est pixel, hein. Qu'est-ce qui branle? Ah oui, d'accord. Chaîne. Un petit lieco. C'est-à-dire collé en verre. Ah non, une écharpe. Ah, une cravate comme ça. Non. En vrai, une petite écharpe, hein. Sont où les écharpes? Truc comme ça? Ah, mais ça marche pas. Ça glitch avec le truc. Trop chiant. Il y en a pas mal, il y en a bien une qui va pas glitcher. Et ça, en vrai? Je crois que ça me parle. Hein. Ça fait avocat ragiste, hein. Tout terrain. Extrêmement stylé. Très beau physiquement. Bon, par contre, faut changer de chemise. Parce qu'elle va pas, celle-là. Ah non! Alors, celle-là est bien. Mais du coup, trop. Trop. Et quand c'est trop. Bon, vous connaissez la suite. Je pense que ce sera plus avant, en fait, les chemises comme celles que je cherche. Après, on peut trouver autre chose qu'une chemise. Hein. Il y a déjà le pull, enfin, il y a déjà le haut et la cravate. Mais putain, toujours plus. Est-ce qu'il y a des trouvailles dans les loins? Qu'est-ce que... Ok, frérot. Non mais... C'est pas des vêtements, ça.
on va trouver. Hein. D'accord. Bah non, y a rien de bien fou. On va remonter. Ouais, super. Désolé, j'en fous partout. Hein. Ok. Donc là, on se rapproche, je crois, de la chemise que j'avais. Ouais. Ouais, c'était... Non, c'était pas celle-là. C'était un peu avant. C'était genre celle-là. Mais du coup, celle-là, elle glitch un peu sur les côtés, c'est moche. On peut se trouver un truc mieux. Genre... Celle-là. Eh. Hey. Pas si pire. Non mais mettez-moi un... Oh ah, l'épaule. Ouais, c'est peut-être un problème de bras du coup. Ouais, ça c'est les bras qui déconnent en vrai, non? Bon, celle-là est pas mal. Juste problème de torse, quoi. Non, mais pour moi c'est la chemise. Si c'est l'épaule, c'est que c'est la chemise, parce que les bras vont pas changer ça. Eh, quoique... En fait, je suis trop stock. Je crois que c'est ça mon problème. C'est comme dans la vraie vie, c'est les mêmes problèmes, quoi. Très bien. Et bah, au niveau des bras, il y a peut-être un truc à faire. Hein. Ah si. Eh oui. Ok. Eh ben, pas mal celui-là. Non? Aïe aïe aïe. Et ça, c'est pas le bras qui va changer ça. Ouais, non. Putain. Et bon, c'est pas la bonne chemise. C'est trop chiant. Faut que je check les deux côtés en même temps. Mais déjà, arrête de faire genre t'es garagiste. Ok. Et bah voilà. C'est juste parfait en fait ça. La cravate est dégueulasse, hein. On peut quand même le souligner peut-être. On peut le souligner, je pense. Bon, bah voilà. Ça ressemble à quoi cette cravate? Très bien cette cravate. On peut partir là-dessus déjà. Ça fait une première tenue d'avocat ragiste. Oui. Bien sûr, le nom ce sera Avocat Ragiste. Non mais après réflexion, c'est peut-être un peu claqué au sol. Oui, bah maintenant que c'est en mouvement, c'est vrai que oui, on se rend compte que tout de suite, il y a un problème. En vrai... Ouais, non. Très bien, comment est-ce qu'on peut faire pire? C'est le torse qui va pas. Y'a rien qui va dans ce torse. J'aurais dû enlever la cravate, mais c'est pas grave. Je cherche un truc chic, décontracté. En vrai. Ah. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. L'heure, c'est juste la meilleure pièce de vêtement de toutes. Elle est magnifique. Elle est magnifique. En vrai, dans un délire full techwear, ça passe. Hein. Attendez. Une petite... Non mais arrête. Quel con. Une petite écharpe par-dessus. Ben, ça passe drôlement bien. Faut juste changer la chemise là, parce qu'il n'y a plus rien qui va. T-shirt. 15. Pas si ouf en fait cette écharpe. Il n'y a pas plus grand. Non. Genre celle-là est pas plus grande. Non.
Ça n'a plus rien à voir avec l'avocargisme. C'est un petit kiff perso, ça. Ça l'aime mieux, tous les jours. Très bien. Des petites lunettes, peut-être ? Non. Ouh. Ouh. Ok. Sac, non. Y a pas de bracelet ? Les bagues, les trucs... Ah oui, si, mais c'est dans les autres trucs, ouais. Bah, en vrai... Peut-être des chaussures, peut-être mieux à trouver. Un truc vraiment déripé. Oh ! Ça, c'est drip de fou. Ah, bah voilà, ce genre de truc. Alors non. Non plus. Ah ! D'accord. Mais encore. Non mais... Il n'y a plus rien qui va à un moment quand même. D'accord, c'est la fin. Pas tant que ça de truc en chaussure. Non mais celle-là par contre, elle m'intrigue au plus haut point. Hein. Les palmes aussi, ça me dit grave un truc. Hein. Moi, les palmes, j'ai un feeling. Il y a une relation non platonique entre moi et ces palmes. À tout moment. D'accord. Bah, en vrai, j'ai pas tant de choix que ça. Hein. En fait, ce fut va avec rien. En fait. Oh! Oh oh oh! Alors là, les frères, on est sur quelque chose. On est sur quelque chose. Il y a un petit glitch des chaussettes, donc c'est chiant. Ouais, non, non. Ah, c'est dommage en vrai. Faut que je trouve une tenue qui irait bien avec ça. Je vais mettre les bottines comme ça, exactement. Non, pas celle-là. Celle-là, voilà. Allez. Ah non, l'écharpe sur le derrière. Mais non. Quoi ? J'ai pas. J'ai acheté. J'ai tout perdu. Je reste frais. Je reste frais, je reste frais, je reste frais, je reste frais. C'est pas clair aussi, là, leur jeu nul. Je sais même plus où c'était... On va essayer de speed... Non, c'était loin, c'était beaucoup plus loin, je crois. J'espère. Et je deviens fou. Bah ouais, c'était après tout ça, je crois. Oui, vu. Très bien. En blanc, évidemment. Ah quoi, en vrai ? Non, mais non. Ça n'aurait pas de sens de... Voilà. Jambes, on touche à rien, c'est... J'ai jamais vu un truc aussi pixel. Je vais quand même regarder. Ouh. Et ça, pour l'avocarragisme, passe crème. Ouh. Ah, c'est sûr qu'il faut un truc fin en bas, mais large en haut. Ça, en vrai, ça passe. Hein. Il y a du noir. Ou du blanc. Mais... Je crois que c'est juste parfait. Hein. Je vais peut-être virer la cravate, quand même. Bon, ça déconne un peu, mais it's ok. Il me faut un autre truc. Pas cette cravate de mort. Il y a d'autres écharpes après, il me semble. Ah, on va voir
un problème, les gars. C'est-à-dire que tout est invisible. Ah oui, non, mais c'est des colliers collés au corps. Voilà, quand même. Ok, merci. Non, mais please. Une écharpe, quoi. Oh! Ah, elle est pas en blanc, dommage. C'est quoi ça? Des écouteurs? Je comprends pas. Pas compris. Je sais pas pourquoi je fais cette tenue, hein. Mais on sait jamais. Si jamais on a le droit d'être dans des tenues un peu un peu loufoques. Non, mais au pire, tant pis, pas de chaîne, pas de rien. Pas de plaisir, quoi, on n'a pas le droit de s'amuser sur ce jeu, en fait. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que j'ai compris le message. Le fun est proscrit, en fait. Là, il n'y a que ça, en fait, comme écharpe. Ben non, il y en a d'autres avant, je crois. Non. Ok. Casque, non, lunettes. Ah, si, lunettes, très importantes. Pièce maîtresse de cette tenue, quelque part. C'est celle-là? Oui. Je crois que c'est parfait, hein. Je n'ai rien à revoir. Ah, les chaussures, peut-être? Oui. Je sais plus où elles étaient. C'est vrai, celle-là. Parfait. Juste parfait. Oui, c'est validé. En vrai, j'ai jamais vu rien d'aussi beau. Là, Peter Falk a gagné en charisme à un point. C'est du jamais vu. Bon, très bien. Et maintenant, une vraie tenue qui fait vraiment avocaragiste. Donc, on a vu le pantalon de nos rêves. Bah non, il était avant. On l'a vu, c'est celui avec les bandes réfléchissantes, évidemment. Bah, la question se pose pas une seconde. Il est bientôt... Ah, voilà. Voilà. Là, on est bien. En fait, ça fait plus éboueur que garagiste. On doit avoir mieux. Parce que celle qu'on a à l'atelier, c'est pas celle-là. Aïe, j'ai brûlé ma personne. Oh, la dingue. Il s'agirait de pas abuser quand même. Ça, par contre, vraiment, ça m'excite. Hein. J'ai fortement hésité, mais on va dire que non. Ça, c'est bien, ça, non? On peut changer la couleur. Et ben voilà. Couleur de l'avocaragisme. C'est très bien, ça. De toute façon, les couleurs du LS Custom, c'est blanc et rouge. Donc, blanc et rouge. Blanc et rouge. Yo Capri. Comment ça va? Je crois que c'est celle-là qu'on a en plus. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de... un truc vraiment blanc et rouge, quoi. Moi, ça va, je me réveille tranquillou. Ah, bah voilà! Très bien. Parfait. Ah, mais oui, non, mais je crois que c'est celle-là qu'on a. Chaussures. Est-ce qu'on part sur les chaussures médiévales? Non. Ben non, des chaussures d'avocat. Faut enchaîner en fait. Faut pas enchaîner, faut alterner. Avocat, garagiste. Avocat, garagiste. Ça c'est très bien comme chaussures d'avocat.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non mais arrête de faire genre, t'es garagiste. Je me prépare pour le défilé de mode de ce soir. Ça va être incroyable. Ça va être fou. Et j'en ai vu des choses incroyables dans ma vie, mais... Donc là, il faudrait... un haut qui fasse garagiste, mais qui soit ouvert pour qu'il laisse entrevoir une chemise d'avocat. Je vois que ça, hein. Ah ça, ça fait garagiste. Ah celui-là, il me plaît vraiment beaucoup, hein. Mais non. Ah au pire, ouais, un truc comme ça. Avec une chemise à manches longues. Pourquoi pas, pourquoi pas. Je sais pas, ça ressemble à quoi hein. C'est quoi le haut qu'on a dans la tenue du garage? Je me souviens plus. Ah, mais je crois que c'est celui-là en plus en vrai. Mais du coup, ça colle pas. Ça, ça passe, hein. Avec une chemise. Est-ce qu'on peut l'avoir en blanc et rouge? Oh, ça doit se trouver. Non, mais oui, ça va se trouver. Et non. Du coup, c'est tragique. Ouais, ça, c'est gris et rouge. Je sais pas si ça passe. Enfin, je crois. Enfin, une fois, je suis vraiment daltonien, hein. C'est pas des pranks. Ouais, non. Non, je crois pas qu'il y ait blanc et rouge. Ouais, du coup, c'est pas le bon haut. Tant pis. C'est pas le haut de mes rêves, quoi. Il me donne pas la petite étincelle. Le petit coup de kiff, quoi. Oh. Ah, j'en ai vu des choses dégueulasses, mais... Oh là, ah bah alors là. Là, on est gâtés, là. Oh oui. Oui, 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 oui. Tous les jours. Hein. Oh, doux Jésus. Oh oui. Oh ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 ouais. Mais qu'est-ce que... Bon, un garagiste. Oh. Le cosmonaute. Bonsoir. Oh. C'est ma catégorie préférée, en fait. J'adore. Ah. Il est pas mal, en vrai, ce petit haut. Genre, premier degré. Est-ce qu'il glitch avec le pantalon? C'est la vraie question. Sinon, on part là-dessus et on change de plan. Allez. Ça sera mon haut. Alors du coup, là, le défi, ça va être de trouver un t-shirt qui fait garagiste. Qu'est-ce que... Ah non, salopette chemise. Y a pas une salopette? Oh, mais oui. Une salopette chemise. C'est mon destin. Je l'ai trouvé. Il m'appelle. Ça, c'est bien, ouais. Bah, en vrai, pas besoin de faire trop compliqué, hein. On prend ça, on change de bras parce que là, il y a un problème au niveau des épaules. Voilà, bah, c'est parfait. Je crois. Pas de ceinture, puisqu'on est avocat ragiste. Une petite cravate, quand même. On n'est pas des animaux. Ah oui, il va y avoir un problème de lunettes aussi. J'ai rien du tout là. Ah. Très bien. En noir, pour favor. D'accord, très bien. Ah. C'est noir ça? Non, ça c'est noir. Au secours. C'est pas clair, je change d'idée.
oui. Ah oui, la petite écharpe. Là, elle pourrait passer bien, non? Sur ce genre de torse. Allez, dis-moi que c'est bon, dis-moi que c'est bon. Ça m'a l'air bon. En vrai? Genre, no joke, c'est pas si moche, non? Les chaussures sont parfaites. Tout est parfait, en fait. Ah! Ah, ah, ah. Petit problème d'avant-bras, mes chers amis. Quand il fait ça... Non, mais fais-le, maintenant. Non, mais arrête, bro. T'as passé ta vie entière à le faire quand on te le demande pas. Voilà. Là, il y a un problème. Mais est-ce que c'est parce que la caméra est trop proche? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme animation? Genre ça. Non, ça a l'air bon. Ça. Ah non, il y a un problème d'avant-bras. Bah écoutez. Ça, c'est très bien. Non mais arrête. Ça m'a l'air très bien. C'est magnifique. Franchement. Franchement. Je suis meilleur que tous les autres stylistes. De très très loin. Mon talent n'a d'égal. Non. Mon talent n'a pas d'égal. Et où j'ai pas de taf alors je reviens. Ah ouais? Comment ça t'as pas de taf? Personne qui t'a donné ces échantillons. Mais heureux de te retrouver en tout cas. Ah, si tu peux ne jamais avoir de taf et toujours être là, c'est nickel. Hein. Moi je demande que ça. Hein. Les gens qui bossent dans la vie, C'est pas pratique. Mais comment c'est possible que t'aies pas de taf par contre? Pas de prélèvement, les patients sont en vacances donc ils sont pas malades. Ok. Et ça tu peux pas... Mais genre... Genre t'es allé au labo là pour voir qu'il y avait rien et t'es revenu? C'est possible de faire ça? T'as pas genre des heures? Ou je sais pas? T'es payé au prélèvement? Non mais arrête. Non mais c'est magnifique. C'est beaucoup trop beau. Avocat. Ragiste, trop beau. Ah, j'entends ma chatte qui gueule, je pense qu'elle veut. Elle veut yesh. Moi, ce qu'on appelle un télé. Ah ouais. Ouais, bon, après, tu sais, la technologie. Voilà. Il est magnifique. Il est magnifique. Franchement, ces chaussures vont si bien avec le pantalon. Trop beau. Bon, des bijoux. Donnez-moi des bijoux. Partout. Mais quoi, c'est les lunettes, ça, non? Bah oui, bah, du coup, non. Non merci, au revoir. Arrête de faire des animations dès que je tourne la caméra. C'est l'air de papier les prélèvements. Ok. Du coup là t'es au taf et tu glandes quoi. Comment ça va? Ah. Est-ce que les accessoires oreilles c'est forcément des boucles d'oreilles? Ah oui c'est vrai qu'il aime bien fermer les yeux. C'est bizarre. Mes points d'interaction. Je sais. Je sais pas pourquoi, mais je sais. C'est qu'en fait... attends, je vais te montrer. Ouais, non, mais c'est... Non. En fait, c'est le fond de mon stream. C'est l'image de fond. Regarde, attendez, je vous cache le jeu, vous allez voir. C'est ça? Qu'il y a au fond quand il n'y a pas de jeu qui s'affiche. On voit en transparence, en fait. Et je sais pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, on voit même le petit coucher de soleil, là. Il est là. Ça n'a aucun sens que ce soit comme ça, mais c'est comme ça. Comme s'il y avait un genre de fond bleu qui avait été setup, sauf qu'il n'a pas été setup. Donc soit GTA a une fonction fond bleu de base, soit je ne sais pas. Et j'ai regardé partout, sur toutes mes scènes, sur toutes mes sources, genre si c'était pas... Bah en vrai oui, c'est joli, mais chez moi, là c'est que dans le stream en fait. Parce que bah forcément sur mon écran à moi, j'ai pas le fond du stream, donc... Je sais que c'est beau, mais c'est pas la vraie vie. Et en plus, quand je suis comme ça, j'ai pas besoin de me changer. Je suis à la fois garagiste et à la fois avocat. C'est ma nouvelle tenue. Je vais passer à la maison, m'occuper de mes tenues. Et après, on va faire des trucs. Je sais plus où j'habite. Je vais jamais chez moi. Normalement, c'est par là.
Ah oui, El Famoso Tunnel. Non mais du coup, je crois que c'est bon. Je crois qu'on est pas mal. Pas du tout. Ah, il y a le City Works. Ok, bon, c'est bon. Ah, je pensais que j'étais beaucoup moins à l'est. De toute façon, au pire, je vais à l'hôpital et je trouverai bien. Attends, mais s'il y a le custom et l'hôpital... Oui, d'accord, ok. Oui, c'est bon. Excusez-moi, je suis avocat. De grain à moudre pour toi. C'est impossible de décrire. Regarde-moi cet homme. Ah oui, il faut que j'aille faire un petit tour de coiffeur barbier aussi. Oh, oh là là, c'est trop beau. Je suis un malade, hein. Premier degré, je trouve ça un peu stylé. Hein. Ah! C'est bien, ce qui est bien avec cet appart, c'est que vraiment à chaque fois qu'on y va, il a une couleur différente. C'est vraiment le petit plaisir, quoi. Ben en vrai, oui. Ben en vrai, en tant qu'avocardinier, tu pourrais te trouver une tenue similaire. Hein. Moi, je me suis mis... Fallait que je mette une cravate rouge pour être couleur du custom. Oh, je me déteste. Tant pis, c'est pas grave. Garagiste de Noël. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. C'est quoi déjà? Ah ouais. Ouais, non, mais elle est bien. Elle est très bien, celle-là. Hein. Allez, ça dégage. Garagiste de Noël, supprimez tenue. Merci à tous. Avocat, c'est quoi? C'est la tenue normale. Ouais, ok. Celle-là, bon, elle est magnifique. En fait, j'aimerais demander si j'ai le droit de défiler comme ça, et je le ferai. Parce que vraiment, c'est... Ça manque de déco dans cette maison, je sais. Mais est-ce que tu crois que j'ai de l'argent? C'est un de mes projets, hein. C'est clairement un de mes projets, mais d'abord une voiture. Mais non, je suis con, c'est la même. Ouais, celle-là, pas fan au final. Hein. En vrai, c'est ma tenue normale, sauf que j'ai un pantalon bizarre et des chaussures de chantier, quoi. Est-ce que... Voilà. Non, c'est dégueulasse. C'est ignoble. Tac, tac. Alors que celle-là... No joke, c'est trop beau. Mais en fait, je repense à la déco, c'est trop chiant de décorer une maison qui change de couleur tout le temps, en fait. C'est beaucoup trop chiant. C'est intéressant, la possibilité à faire. Oui, non, mais je sais bien. En vrai, j'ai regardé un peu les prix des meubles et tout. Je le ferai un jour. Mais je pense qu'il faut que je déménage, parce que là, c'est pas possible. Genre, vraiment... chaque fois que j'y vais, les couleurs sont différentes. Et puis, c'est ignoble. Genre, regarde... Là, voilà. Est-ce que tu vois? Regarde toutes les textures, est-ce qu'il y a un seul truc qui va? Le sol. Le sol en vrai est plutôt stylé. Le reste c'est ignoble. Donc non, je... Écoute, ça reste... Ah, faut que je mette mon sac. C'est vrai que j'avais dit que je mettrais mon petit sac. Sac. Comment je fais? Ah oui, non. Mais attends, si. Comment je fais? Je use ou je give ou je drop? Je drop. Très bien, je le vis bien, vous inquiétez pas. Oui, mais eux, moi, ça marche pas. Ah si. Oh, la danse. Ça marchait pas hier. Give, du coup. Ouais, non, mais je sais bien. Y'a personne près de vous. Mais use, voilà. Bon, bah, part d'inventaire, du coup. Ah si, attends. L'idée. Oh, l'idée. Oh là là. Oh, je suis trop intelligent. Très bien. Ouais, non, mais je sais, l'endroit est pas ouf. Mais oui, c'est vrai. À chaque fois, j'avance dans la porte, genre elle va s'ouvrir, quoi. Mais en fait, c'est que c'est trop bien situé. Avant, je travaillais au City Works et il est juste là. T'as l'hôpital qui est juste là-bas. Par là, je crois. T'as le custom qui est juste à côté. T'as le PDP par là. La fourrière par là. Là, t'as un point où je dois aller vendre là-bas derrière des trucs pour le custom. Il y a une banque aussi pas loin, bah, vers le custom. Genre, c'est trop bien situé. Et quand même, la piscine, désolé, mais elle envoie de fou. La piscine est magnifique.
Alors c'est une piscine résidentielle, mais il n'y a jamais de concitoyens. Donc en vrai... Genre boum, on n'est pas bien ? On est païen ? Bon, elle est pas très profonde. Mais si, elle devient plus profonde là-bas. La piscine de Pierrot. Elle a jamais vu. On est très proche, mais pas à ce point-là. Non, et puis, il y a des trucs à faire. Hein. Alors. Très bien. Mais d'accord, en fait, je voulais... Ah, si. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que... Ok, ok, c'est pas grave. On va calculer la distance exacte du saut de Peter, à savoir celle-ci. Pas du tout. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Oh ! D'accord, très bien. Et maintenant ? Je sais pas... Stargaze 2 ? Quoi ? Ah, c'est Cloud Gaze. Évidemment. Évidemment. Cloud Gaze 2. Bon, c'est pas grave, mais au moins elles sont là. Non, mais ce sera peut-être un petit pied-à-terre. De toute façon, évidemment, à terme, je veux habiter dans une villa. Hop là. Je suis avocat-garagiste. Mais monsieur, je suis avocat-garagiste. Vous... Ah, ok. Vous savez que je vais défiler ce soir. Hein. Vous voulez prendre une deuxième photo ? J'ai une pose que j'aime bien. Celle-là. Monsieur ? Monsieur ? Talk to me. Monsieur ? Vous aimez le style ? Qu'est-ce que vous pensez de mes chaussures ? Oh, you about to get dealt with right now. Non, 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 non. Ah non, non, il y a méprendre. Il y a méprendre. Désolé. C'est que j'ai cru qu'on avait des intérêts communs. Une passion similaire. Il y a le chat. Oh oui, il y a le chat. Samuel. Où Samuel ? Où Samuel ? Où est Samuel Pierrot ? Oh pardon, non, Samuel ? Sam ? Sam ? Sam, attention, il y a les chiens là-bas. Sam ? Faudrait que je donne un nom aux deux mecs qui sont là-bas aussi. On va aller voir comment ils s'appellent. Oh, le jeu est si moche. Comment il s'appelait ? Il pourrait s'appeler... En vrai... Ah, c'est compliqué, hein. Ah, je sais pas. Non, je... Ou alors... Oh, je sais. Lui, il s'appelle Tom. Et lui, il s'appelle Jerry. Parfait. Très bien. Bon, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose à un moment, quand même. Plutôt que de se balader partout comme des cons. Bah, niveau vêtements, je veux dire, c'est implacable. Je veux dire, je... Si, le coiffeur. Coiffeur, barbier, visagiste, paysagiste. Je crois qu'il y en a un pas loin du custom. Regarde. On va y aller en BMX. Je l'ai custom quand même à 150$. C'est pas pour rien, quoi. Arrête. Arrête d'avancer. Mais arrête. Merci. Oh d'accord, je me disais bien qu'il y en avait un pas loin. Oh là là, on sent qu'il est full perf ce BMX. Hein. Wouah! Même en côte, hein. Même en côte, il est performant. Et puis ce noir mat. Malheureusement, on pouvait pas changer les jantes. Je l'ai customisé autant que possible, hein. À savoir la couleur.
Et Eddie, il s'est foutu de ma gueule quand il a vu qu'il y avait 2 dollars d'esthétique dans la facture. J'y peux rien, moi, si les prix sont bas. Excusez-moi d'être malin. De pas claquer mes thunes dans des véhicules inutiles. Moi, j'ai un véhicule pratique, économique et extrêmement performant. D'ailleurs, il a une plaque d'immatriculation, je crois. Ça me fume. Bonsoir. Alors, bon, la barbe, voilà. C'était rigolo au début pour faire genre le mec, il sait pas comment s'occuper d'une barbe. C'est où? C'est loin? Ouais, c'est loin. Ben, un peu de maquillage aussi, attends. Un peu de make-up. Est-ce que tu peux regarder vers moi? Merci. Attends, on va faire un truc. Arrête de faire des choses. Tiens, voilà. Parfait. Ben, en vrai, peut-être juste pas de barbe, hein. Ah. Oui, non, mais je peux faire ça. Non. Ça fait une gueule de con, hein. On est tous d'accord pour dire ça. Après, sa petite barbe de prépubère, moi je l'aime bien. Celle-là, je crois. Est-ce qu'on peut se trouver un autre truc? Oh la dingue. Ça. Non mais, est-ce que j'ai l'air d'un Irlandais? Respectez-moi. Ah d'accord. Ouais, non, mais en fait, non, il va pas changer de barbe. C'était laquelle? Ouais, celle-là, je crois. Oui. Accessoires, oreilles, couleur lipstick, un petit lipstick en vrai. Ah, mais. Mais il y a du gloss. Oh! Mais de fou! De ouf! Épaisseur lipstick. Ah, type lipstick. Ah non, mais celui-là était très bien. Maquillage. Ah, c'est juste maquillage, quoi. D'accord. Il n'y a pas de détail, quoi. Couleur maquillage. Je sais même pas ce que je fais, en fait, là. Hein? C'est quoi qui change? Ah, mais peut-être. Mais, d'accord. Attends, il y a moyen de lui faire des petits yeux de biche. Tu peux arrêter de bouger tout le temps, s'il te plaît? Il y en a qui bossent. Non mais en fait c'est trop chiant, parce que je suis trop daltonien. J'arrive pas à voir ce que je change. Donc tant pis pour le make-up. Bon, sourcils, ils sont magnifiques ces sourcils. Couleur barbe. Non bah non, elle est parfaite. Ouais non, mais on va juste voir pour les cheveux. Bon alors, sachant que cette coupe elle est déjà magnifique. Arrête de bouger tout le temps. Bon, celle-là, elle est... En vrai, de ce côté-là, ça va, mais voilà. On a un gros problème de... Voilà, voilà. Bon, évidemment, non. Ça, au début, j'avais pensé à mettre cette coupe, genre de base, en mode, le mec sait pas quoi faire de ses cheveux et tout. Mais, bah, je l'ai pas fait. Voilà, c'est la petite anecdote. En honneur à Gasteux. Non. Non, mais en vrai, si je change trop de coupe, les gens me reconnaîtront plus, ça va être chiant. Après, celle-là, en vrai, c'est comme la mienne, sauf qu'elle a ce petit effet un peu chic décontracté. Oh, et attends, j'ai cru voir 2-3 cheveux blancs, là. Non, c'est peut-être juste le reflet. Ouais, je crois que c'est juste le reflet. Non, mais voilà, c'est le problème de GTA, hein, c'est que ils sont tous ignobles, quoi. Celle-là, en vrai, ça passe, j'ai l'impression. Ah. Ouais, on est sur un front un peu dégarni quand même. Mais voilà. Y a rien à faire. C'est quoi ça? Mais le mec a pas de crâne, quoi. Non, mais 55. Très bien. Au final, j'ai absolument rien changé, on est d'accord, non? Attendez, j'ai changé quoi? Si, par exemple, je mets cette coupe. Ok, ouais, avouons-le, magnifique. J'ai absolument rien changé. Donc juste au revoir, en fait. Désolé, en fait, désolé, j'étais déjà parfait. Ah, si je pouvais mettre ma ceinture, quand même. Ça aiderait pas mal.
puis au moins, vu que j'ai enfin géré mes tenues, je vais arrêter de me trimballer mon sac partout là. Et ça, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'avoue que l'écharpe rouge, elle est primordiale en fait. Je la voulais noire, mais non. Non, non, non. Ah, encore un don de véhicule ? Excusez-moi, est-ce que c'est ouvert ? Non, alors très bien. Est-ce que vous pensez que j'ai votre temps ? Merci. C'est une propriété privée. Hein. J'espère juste que c'est pas... C'est pas la voiture de madame... Putain, c'était quoi le nom que je lui avais donné ? Merde, comment elle s'appelle la voisine ? Je vais peut-être pas donner de nom. Madame... Déjà, elle s'appelle Michel. Ça, c'est sûr. Madame... Michel... Michel... Jackson. Michel Jackson. Madame Jackson. En plus, ça fait Miss Jackson, c'est une référence à Outkast. C'est parfait. Bon, écharpe rouge et après, promis, on fait des trucs. C'est... Non, c'est là-bas dans le Ponson Bees. C'est vrai que du coup, pour vous, c'est assez stylé. Hein. Ah non, c'est qu'en fait, j'ai un jeu modé. Hein. Pardon. Bah voilà. Parfait, c'est exactement tout ce que je voulais. Bien sûr, donner un nom. Elle s'appelle Avocat Ragiste. Il y a un smiley drip. Je vais mettre ça. Voilà. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est bon. Dans le rétro, Jackie White. Dans le rétro. J'ai plié de la fille sur le bouton de Twitter. Ça me... Stay fresh, amigo. Merci. Non mais arrêtez de me mettre des notifs quand c'est mes propres tweets. Personne ne fait ça. Je paye pas mes likes, moi. Moi non plus. Moi non plus. Elles sont demandées gentiment. Ils sont demandés. Et oui. Ça me tue en vrai que t'as eu l'idée de rentrer dans le tweet game pour me concurrencer. Qu'est-ce que je fais ? Je vais chez moi, mais pour quel but ? Dans quel but je vais chez moi là ? Aucun, non ? Qu'est-ce que je fais ? Non, je suis pas censé passer de ce côté-là de l'hôpital. Tout va bien, tout va bien. Je suis avocat. Excusez-moi, je suis garagiste. Je sais ce que je fais quand même. En vrai, je sais pas si au niveau du règlement du serveur et tout, une tenue de travail customisée, ça passe. Genre, est-ce que là, quelqu'un peut me faire chier en mode « vous êtes pas en tenue de travail et tout ?» En vrai, non. Mais peut-être, je sais pas. Parce que dans le lore de mon perso, c'est une tenue de travail. Je suis aux couleurs du LS Custom et tout, genre ça va. Mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? S'il y a pas de client, pas de client ? Pas de client, pas de client. Bonsoir. Petit saut de cabri. Hop là. Hop là. Hop là. Boris.
Tic tic tac. Quoi, ouais. Allez, ça. Merde, j'avais un truc à dire à Eddie aussi. Patron, sur l'intranet, il n'y a plus les kits vendus. C'est pas trop grave pour la compta. Bisous. Grégory. Bonjour. J'ai passé le mot à mes collègues du LS Custom pour les couleurs de vos véhicules. Sera ravi de vous accueillir, vous et votre frère, dès que vous le souhaitez. Let's go. Liam. Non. Jackie White. Bah non. Aucune raison de pas. Ça aussi, ça m'a fumé en vrai. J'avais trop aimé. Vladimir Osef. Le commandant. Est-ce que j'ai le droit de lui demander de voir sa piscine? Et, parce qu'en vrai, bon, c'est du metagaming, du HRP et tout. Mais en vrai, bon, ça change rien à la vie, quoi. C'est juste pour créer une interaction. Est-ce qu'en vrai, vous pensez que c'est OK? Ah oui, d'ailleurs, c'est anonyme, vous n'êtes pas censé savoir ça. Très bien. En vrai, je suis trop fort. J'ai réussi à garder cette info personnelle. J'ai une info de fou que je peux pas... Enfin, que Peter ne peut pas connaître, donc je peux la dire à personne. J'ai une info de fou concernant le commandant. Et jusqu'à preuve du contraire, je crois que personne d'autre est au courant. Ou alors, plein de gens sont au courant, mais ils croient tous que c'est une info. Enfin, que c'est... qui sont les seuls. Alors, putain, j'ai regardé votre brochure, ok. Salut Danny Dan, putain, je l'ai appelé Danny Dan. Je te ferme ça dans l'appartement, aussi pour les services, il est très doux. Putain, je suis un crack. Premier jour de jeu. Non, deuxième peut-être, je sais plus. Salut Danny Dan. Je me demandais combien je te dois exactement. J'étais resté sur 80K, mais il me semble qu'il y avait une histoire de pourcentage que tu m'avais plus ou moins fait sauter dans mes souvenirs. C'est faux. Donc on est bien sur 80K. Bisous. Carl Jamarco. Sergent Power. Aiden Brown. C'est qui Aiden Brown? Ah oui putain, c'est vrai. J'ai jamais croisé lui. Jamais vu. Ok. D'ailleurs, je sais pas si je dois supprimer le numéro du sergent, du coup. Enfin, lieutenant, puis sergent. Parce que du coup, on est d'accord que le perso Pawa ne va plus jamais exister. Genre, ce sera complètement quelqu'un d'autre. C'est pas Pawayami, le même, qui va complètement changer de branche ou quoi. Oui. Oh, vous inquiétez pas, vous allez vous recroiser. Très mignon ton message, d'ailleurs. Ton truc sur Insta. J'avais hésité à t'envoyer un message d'ailleurs, un texto in-game, genre en mode ça va, Madame Zoé? Qu'est-ce qu'il veut lui?
Non, c'est un stage de découverte. Ah, merci. J'ai bien découvert, en tout cas. Découvert. D'ailleurs. Ouais, mais en vrai, genre en vrai, ton perso rejette de fou le mien. Parce qu'à chaque fois, j'essaie d'être familier avec tout le monde et tout, mais dès que j'essaie avec toi, t'es, genre, t'es, tu me mets un stop et tout, ce qui est normal, c'est ton perso, tu vois. Et du coup, en vrai, je pense que Peter, il hésite grave à te contacter et tout, genre. D'ailleurs, merde, je voulais lui dire quoi D'ailleurs. Vous avez trouvé qui allait nous payer ? On parle quand même d'un demi-million. Donc bon, un moment quand même. Quand même, un moment fort à l'as, quoi. Parce que là, c'est chaud. Eh oui. Bon, quasiment tout le monde résiste, hein. Bon, on a Jackie White qui a succombé. Je me demande si Liam me l'a pas dit un jour. Je crois qu'il m'a lâché un petit bisou une fois. Alex ? Ah, j'ai pas le souvenir. Ça fait longtemps d'ailleurs que je l'ai pas vu, Alex. J'ai juste croisé un peu lundi. Je crois, ou mardi. Peut-être hier. J'ai une mémoire. Ah non, je... Mais oui, c'est vrai qu'on s'est assez peu croisé. C'était pour des trucs rapides en même temps. C'était quoi ? Ouais, un truc de... Oh ! En parlant de Alex. Hop là. S'il te plaît. Chez vous aussi, il y a plein de trucs qui sont pas texturés dans l'inventaire ? Ou c'est moi qui ai un problème ? Oui, d'accord, c'est pour tout le monde, ça. C'est vrai que je me suis jamais posé la question, mais... Qu'est-ce qu'il branle ? Des trucs qui sont pas texturés dans l'inventaire. Genre sur le menu F3. Genre là, poisson, sauce citron et tout. Putain, les bouteilles vides, elles sont pour qui déjà ? Elles sont pour Boris. Ouais. Genre poisson, sauce citron et tout. J'utilise jamais le F3. Oh, ok. Pratique quand même. Ah ouais ? Vous l'utilisez pas ? Mais c'est trop pratique. Genre vous faites F5, inventaire. Et là, vous voyez ce que vous avez ? Ok, F3. Moi, juste, en fait, genre, juste pour être sûr, genre, tiens, est-ce que j'ai à manger ? F3 ? Ok, c'est bon, je vois. Genre, c'est trop... trop plus simple. Ah, Peter, là, ça va, le coup ? Ok, trop bizarre. Après, bon, si vous êtes pas des gens efficaces, moi, j'y peux rien. Par contre, un truc que je regrette avec Peter, c'est que vu qu'il est pote avec tout le monde, enfin, il se croit pote avec tout le monde en tout cas, il a pas une vraie amitié au final. Tu sais, c'est un peu plaire à tout le monde, c'est plaire à personne, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais voilà. Je sais que je plais pas à tout le monde, y a pas de problème. Mais au début, il y avait un truc avec Gasteux, mais bon, c'est vrai que bah, c'est un policier, il est souvent en service et tout. J'aimerais bien qu'il ait un gars sûr, genre. Après, ça va peut-être se faire chez les Cooper, quand même. Parce que pour l'instant, le featuring Fork Cooper, il se passe bien. Bon, à chaque fois, je finis dans le coma, mais ça se passe bien. C'est bon signe, en général. Bon, écoutez, je vais farm, hein. Mettre mon sac pour le RP. Oh, ça, c'est magnifique ça. Ah non, me dites pas que c'est un PNJ. Bonjour. Ça va ? Oui, vous ? Ça va. Je peux vous aider ? Alors, je venais déjà régler l'ardoise du LSPD. J'ai cru comprendre qu'hier. Ah, vous avez des améliorations ? Non, je crois pas. En tout cas, je suis pas au courant. Non. Ah. Hier, il y a eu des réparations, mais ça, du coup, ça fait partie du contrat, donc...
Ah, il me semblait qu'il y avait eu des améliorations. Bah moi, je suis pas au courant. Ok, bah je redemanderai... Si vous voyez Edouard avant moi, vous pouvez juste lui poser la question et puis qu'il prenne contact avec nous pour... Ok, d'accord. Ça marche. Bah, vous voulez que je vous donne la somme de ce que moi j'ai fait en tout cas? Ou vous l'avez noté quelque part? La somme de quoi? Bah de... Bah que vous devez. Bah je vous ai... Attendez, quel exemple? Parce que du coup je suis un peu perdu. 20, 10, 6. Bah en fait, il y a quelques jours, que... Gasteux était passé fait... ouais. Pour améliorer 3 véhicules. Personnellement j'en ai amélioré que 2. C'est Patron Eddy qui a fait le 3ème. Ouais. Du coup, je sais pas combien ça lui a coûté personnellement. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, c'est ça? Oui. Je suis passé avant-hier pour régler cette facture déjà. Techniquement, je suis passé le lendemain qu'on m'a averti. Mais de combien la facture? Ça devait être 300 et quelques milliers. Parce qu'il y avait eu 3 véhicules de ce qu'on m'a dit, à peu près. Ouais, 100, ouais. 112. Ah oui, mais c'est vrai que vous avez la réduction. Oui, du coup, oui, non, ça se tient. Oui, ça devait être 380 000, quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Bah, du coup, s'il y en a eu un hier, je suis pas au courant, mais faudrait peut-être plus voir avec Eddy, du coup. Moi, du coup, je savais pas que c'était payé, ça. D'accord. Ah bah, faudrait peut-être demander à ce qu'en interne vous ayez les infos. Oui, mais bon, du coup, on a eu d'autres choses à gérer hier avec le patron, donc. Oui. Je comprends. J'ai cru entendre parler de ça, oui. Bon, des petites histoires, quoi. Ouais. Il se tient pas très bien, globalement, ce patron. Non? Comment ça? Bah, je sais pas, il a quand même réussi à enchaîner 3 outrages à agents dans la même interpellation, ça fait beaucoup, non? Oh, et encore. Le problème, c'est que on en a noté que 3 parce qu'il y a 3 agents différents qui ont été insultés. Ah oui. Alors attention, Boris Pal n'est pas un agent. Ah oui. Bah a priori il n'y a que Léon et Gasteux qui ont été insultés. Hein. Ah non, j'en ai pris une aussi. Ah bon, ça arrive. Hein. Poursuite, j'en ai pris une alors que Lily était à bord. Oui bon. Lily est complètement innocente dans cette histoire. Ah j'ai pas dit le contraire. Comme tous les membres du Wizard News. Toujours. Pas toujours. D'ailleurs à ce sujet, je sais pas si t'as été mis au courant, mais moi je suis l'avocat officiel de Wizard News maintenant. Et il t'avait engagé. Voilà. Et bah du coup, je tenais à m'excuser par avance que voilà, et si ça se trouve, on va être amené à être dans des camps différents entre guillemets. Et bon bah c'est rien de personnel. Hein. Voilà, je suis désolé, mais c'est pas grave. Si ça arrive, c'est notre job. Hein. C'est pareil. Hein. Bah oui, c'est ça mon job. D'arrêter que... ou si on vient arrêter un dégât du LS Custom ou un dégât du Weasel. Pourquoi vous voudriez m'arrêter? Non mais c'est un exemple. On m'avait donné un véhicule mais je l'ai envoyé à la fourrière. Quoi? On m'avait donné un véhicule mais je l'ai envoyé à la fourrière. Comment ça vous avez donné un véhicule? Hier soir un citoyen est venu me donner un véhicule sur ma propriété. Donné avec les portes ouvertes, la clé sur le contact et tout. Et j'ai demandé à Léon si je pouvais l'utiliser, il m'a dit non, donc je l'ai envoyé à la fourrière. Est-ce qu'on peut avoir une prime si on respecte bien la loi? Ah bah non. D'ailleurs, hier, j'ai fait un stage, il est rémunéré. On a fait un stage de course-poursuite. Oui, j'étais pas au courant. Avec 22 et 23. C'était 22 et 23 s'en sont super bien sortis. Et maintenant, vous avez 2 nouveaux agents. Quoi? Boris Pal, matricule 80. Et moi, Peter Fork, avocat ragiste, matricule 17. Des agents itinérants, hein. Intermittent. C'est-à-dire que, par exemple, on peut aider pour les stages, les trucs comme ça, quoi. Voilà. Bah, en tout cas, très bonne journée à toi. Passe un bon moment. Eh ben, je vais avoir une longue discussion avec John Frank. Tu iras au défilé ce soir? Au défilé... Le défilé organisé par le Weasel. Je pense que j'aurai pas la possibilité. J'ai d'autres... Aïe. Ah bah, c'est toi qui me payes, là? Hein? Je reçois des paiements. Ah non. Ici. J'ai rien payé. D'accord. Ben. Ok. D'accord. Il va falloir que je mette tout ça au clair. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, j'ai pas d'argent qui a bougé. Oh, punaise, j'ai toujours ça. Non, mais d'accord. Plus. Très bien. Bah, si tu veux, il y a une banque juste à côté. Tu veux que je t'y emmène?
Non, 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 c'est pas la banque qu'il faut que je dépose ça. C'est au poste de police. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, c'est l'argent sale. Marqué. Non, je venais pour autre chose aussi, c'était possible oui de faire un devis pour cette voiture. Bien sûr, performance j'imagine. Ah, toujours. Tout à fond, tutti quanti. C'est ça. Bah écoute, je vais faire ça, je te laisse me suivre à l'intérieur. Ça marche. Alors, oula, doucement. Tac. Alors, je sors ma petite compta, on voit tout ça. Hop. Ce serait dans le cadre d'une autre contrat avec la LSPD ou c'est personnel? Non, c'est un véhicule de la LSPD, ça. On n'aurait pas de gyrophare dessus, sinon. Ah bah, je sais pas comment vous faites, moi. C'est pas faux, mais non, d'accord. C'est... Ça fait partie. 6975, hop. Eh ben en vrai, ça m'a pas l'air si cher que ça. Quoi? Ça m'a pas l'air trop cher. aussi. Attends, le moteur est au même prix que la transmission, c'est pas normal ça. What? Pourtant, je m'attendais au moins à 200 000 avec celle-là. Ah, on en est loin. Mais c'est qu'en fait, on peut les améliorer que... Il n'y a qu'un seul niveau d'amélioration pour chaque matériau. Ah, d'accord, c'est une boost de base en fait. C'est ça, exactement. Okay. Du coup, bah, le total, on serait sur 47 970. Alors attends, tu m'as dit combien? 47 970 dollars. Ah mais attends, il faut que je majeure la main d'œuvre, du coup. Mineur, du coup. Oui, bon. Hop, 20%, 20%, 20%, 20% et 20%. Ok, du coup, 45 756 dollars. Bon, c'est pas beaucoup moins cher, mais... Donc 47 770, c'est ça? Non, 45 756. Ah. Avec la majoration, minoration. Ok, ben on va partir sur ça. Je vais revenir pour te payer la facture. Ok, vous voulez que je les fasse maintenant quand même? Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Oh, je peux même la payer maintenant et puis je me rembourse sur les fonds de la LSPD, tu me diras. Je vais quand même vérifier que tout va bien au niveau moteur. Oh bah ça change de la Dodge, je l'ai vu là. Ah oui, là c'est clair, on est sur un truc un peu plus archaïque. Il est déjà amélioré là. D'accord. On m'a dit récemment que t'avais un mulet. C'est vrai ça? Parce qu'avec la casquette, c'est vrai qu'on le voit pas trop, mais... Ah ouais! Ah ouais, ouais, ça te va vachement bien. Merci. Mais quand je suis en service, c'est commandant, s'il te plaît. Oui, pardon. Ça te va vachement bien, commandant. Et voilà, comme neuf. Je l'amène dehors. Quel? Oui, bah j'arrive. Et voilà, bah elle roule déjà mieux, hein, ça c'est clair. Ok, est-ce que je peux avoir vite fait la facture, ouais, vous la payez en chemin, parce que là on a une urgence.
35 756. Vous avez besoin d'un stagiaire pour l'urgence ? Non, non, on est trois. Mais merci, je... D'accord, bah de rien. Désolé. Ça marche, bisous. C'est très bizarre, il me tutoie et après il me dit « Oh, c'est commandant. » Oui, bah c'est bon, j'arrive. Laissez-moi vivre aussi, non ? Désolé, je travaille. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Bon, Dardan, ça fait deux messages d'affilée, là. Vous venir au PDP ? Ok, j'arrive. Ah, faut que j'aille faire pipi. Plutôt un taxi. J'ai du travail. Là. Oui, oui, c'est le commandant, il est normalement arrivé. Hein ? Oui, c'est le commandant, il est normalement arrivé. Ah, il est déjà reparti, Pierrot. Mais je dois venir au PDP quand même. Finalement, c'est bon. Bah, super. Bah, j'avais plein de plans et tout part à l'eau. Tout. Ok. Je comprends, hein, ils ont un client, mais c'est le commandant. Il veut que je vienne au PDP parce qu'il a un client. Du coup, bah. C'est un client. Ah, la facture. Ah oui, d'ailleurs, qui m'a payé ? C'est terrible. Mais comment je peux savoir ? Qui avait des factures impayées ? Personne. Pas de mon côté, en tout cas. Bah. Patron, on vient de recevoir deux paiements. Un de 600 et l'autre de 900. Mais je sais pas qui c'est. Ouais, je vais aller faire pipi vite fait. J'arrive. Ok, heureux. Alors. Quels sont les bails ? J'ai eu des messages ? Bien sûr que non. Bah, très bien, bah, du coup, on s'emmerde. Je vais passer à la banque. Oh ! Bonjour ! Bonjour, monsieur Fork, comment allez-vous ? Ah, attends, j'ai un appel. J'arrive. Ok. Oui, allô ? Oui, monsieur Fork, tout oui. Bien ? Oui, oui. Je vous attends. Hein. Mais je vous ai demandé si je devais quand même venir au PDP, vous m'avez pas répondu. Ah bon ? Ah bah j'ai pas reçu le message. Parce que j'ai pas compris, vous m'avez dit que vous aviez un client, mais au final c'est le commandant, il arrive, mais du coup il est déjà reparti, ah, donc... Ah non, ça, le commandant c'est pour le payer. Ah oui, d'accord. Très bien, bah j'arrive bientôt. Oui, bah on a même deux clients pour vous. D'accord, bah j'arrive. Vous les connaissez bien, ce sont les Vagos. Ah bah parfait, j'arrive. Très bien, à tout de suite. Mettez-vous passer par l'arrière du PDP peut-être. Oui, d'accord, ok, j'arrive. À tout de suite. Oui, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je voulais une custo, mais si vous êtes pressé, allez-y, hein, je reviens. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais, bah je préfère. À la limite, je peux t'envoyer un petit message dès que je suis dispo. Ok, bah on fait comme ça. Nickel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, hop. On lui vole une affaire d'avocatisme.
Yo, I'm fine. Comment ça va, Gasteux? Ça va, ça va. Je me rends PDP. Du coup, là, je vais être en petite scène. Ouais, ça va, tranquille. Ouh, je commence à émerger. Ah oui, non, à l'arrière. Oui, c'est vrai. Oui, mais j'arrive. Si tu veux. Magnifique de voir un avocat agiste en action. J'avoue. Oh, faut que tu vois ma tenue, elle est magnifique. Ah non, mais je peux me garer là. Maître Fort, vous allez bien? Oui, oui, ça va. Attends, dans l'exercice le plus professionnel, s'il vous plaît. Ah, sergent 23 ou sergent Dardan pour moi? Sergent Léon? Non, on va essayer de rester un maximum professionnel. D'accord, quand même. Ok, je vais essayer, je vais essayer. T'aimes bien ma tenue? Ça fait avocat agiste. Eh ben, exactement. Bon, bon alors. Vous voulez commencer par lequel? Peu importe, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces messieurs? Une liste longue comme le bras. D'accord. Bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je veux m'entretenir avec vous d'abord et ensuite... Ouais, on va faire ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont... Dissipés, oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Bon, pour les deux, parce que les deux sont dans le même cas et ils nous ont fait les aveux, alors bon... Je sais même pas pourquoi ils demandent un avocat. Ah, d'accord. Ok. Alors, merci. On a 4 braquages de supérettes, 4 refus d'obtempérer, 3 go fast. Donc, on a mis que c'était vitesse supérieure à 30 km/h. Un délit de fuite... On a le trafic de drogue dure et douce qu'on n'a pas compté. On a un racket qu'on n'a pas compté. On a une conduite sans permis pour les deux. On a des coups de feu, des détentions d'armes illégales qu'on n'a pas compté et des menaces de mort qu'on n'a pas compté. On a déjà été très conciliants avec eux, okay. Sachant que M. Santos a écopé de 50% puisqu'il est seulement complice. D'accord. Ok, ok. Voilà. Ah oui. Bon, c'est quand même pas mal, hein. C'est ça. C'est bien Monsieur Juan à côté de Monsieur Santos, hein? C'est ça, on a Monsieur Santos et Monsieur Juan. D'accord, les coups de feu, ils étaient visés sur quelqu'un en particulier ou... Sur une enseigne. D'accord, ils ont un PPA? Non. Ok. Mais c'est pour ça qu'on leur a pas compté non plus, parce qu'on a été quand même conciliants, on n'a pas retrouvé les armes. Donc, vous avez dit qu'ils portaient des armes? Bah s'ils ont tiré, c'est que forcément ils ont des armes. Mais c'est peut-être plus, pas eux qui ont tiré. Les douilles n'ont pas pu être traçables. Donc c'est des armes non traçables, donc illégales. Mais sauf qu'on les a pas légales ici, c'est pas forcément les leurs. On n'aura pas compté. Ok, bon, si on compte pas, ça me va. Ils nous l'ont dit eux-mêmes, donc... Est-ce que vous... Ils ont assumé, ils ont avoué, donc... Ils ont tout avoué. Bah oui. Écoutez, est-ce que ça vous va si je vais les voir? Et que j'essaye de parler avec vous, si possible, avec eux, pardon, si possible sans vous, pour pas qu'ils soient trop méfiants et tout. Vous avez le droit. Ok. Mais par contre, ce sera un par un, par contre. Vous les faites sortir de cellule pour qu'on s'entretienne? Ah bah oui. Ok, bah plutôt Monsieur Juana, alors ce sera a priori. D'accord, ça marche. Quand Monsieur l'avocat. Monsieur le fruit, il est complètement taré, il n'y a rien qui va. N'importe quoi, qu'est-ce que je suis censé faire de ces mecs, putain. Monsieur, moi.
merci. Bonjour, ouais, je vais pouvoir vous laisser vous entretenir. Ça marche. Je vais me mettre au bout du couloir. Ok. Ah, je me vois. Eh oui. Bon bah, bonjour, monsieur Juana, Francesco. Bah, bonjour, monsieur l'avocat. Monsieur Geoffrey. Ouais. Vous pouvez m'appeler Peter. Peter, ok. Bon. Alors, monsieur Dardan, le sergent, m'a expliqué un peu de quoi vous étiez accusé. Moi, j'ai un problème déjà d'emblée. C'est qu'apparemment, il m'a dit que vous avez tout avoué. Non, c'est pas moi ça. C'est mon collègue. Ah bon, d'accord. Mais toujours est-il que ça a été avoué. Bon, c'est vrai que j'ai fait tout ça. Mais si vous l'avouez, pourquoi vous voulez un avocat ? Bah, parce que... Parce que là, le dossier est quand même assez lourd. Bah, pour réduire du moins notre amende, parce que à tous les deux, on va se prendre presque 60 000. Mais là, la police a déjà été extrêmement conciliante. Ils vous ont déjà enlevé énormément de choses. Ils ont enlevé les coups de feu, ils ont enlevé quelques délits de fuite. Il n'y a pas eu de coups de feu. Ah, on nous a dit qu'il y a eu des coups de feu sur une supérette. Ah oui, mais ça, c'est mon collègue, pas moi. Oui, bon, d'accord. De toute façon, je ne sais pas si vous êtes mis au courant, mais votre collègue aura une réduction, entre guillemets, de 50% de la peine. Parce qu'il est juste complice. Et pas moi. Bah, a priori, c'est vous le malfaiteur. Je ne sais pas vraiment dans quel cas, parce qu'il y en a eu beaucoup. Oui, c'est moi qui a récolté 42 de marijuana et fait le gofas. Mais après, la marijuana, c'est pour ma consommation personnelle. D'accord, ok, bah ça c'est bien, ça c'est bien, on peut noter ça. 2 kilos, c'est ce que je fume en... Ouais, en quelques minutes. Voilà. Ok, alors, je vais prendre quelques notes quand même. Je voulais juste que vous réduisez un peu l'amende, parce que bah, je fais un peu... Je vends un peu de drogue. Ça marche pas, je vais essayer de réduire ça au maximum. Parce que 30 000, ça va être tendu quand même. Alors déjà, moi on m'a dit qu'il y avait aussi de la drogue dure. Bah ça doit être un gros mytho. Ah. Il y a de la drogue dure. Bah moi j'en avais pas et je savais pas. Mon collègue peut-être qu'il en a, je sais pas. Ok, bon, on peut voir ça aussi. Ouais. Par rapport au GoFast, bon ça va être un peu dur à nier. La police vous a arrêté avec les gyros et tout. Bah j'ai déposé la voiture tout. Après mon collègue m'attendait devant. J'ai pas réussi à rentrer dans la voiture, du coup j'ai fui à la nage. Mais on a refui, la voiture a fait une panne d'essence, du coup bah, j'ai refui, je me suis caché dans un buisson et j'aurais pas dû écouter mon collègue et rester dans le buisson parce que du coup je suis remonté dans sa voiture qui a redémarré et on a refait une panne. D'accord, mais du coup ma question c'est est-ce que la police vous a vraiment interpellé avec les gyrophares et tout au moment où vous avez fui? Du GoFast? Ouais. Non, quand j'ai fui, oui, bah oui, il m'a poursuivi. Ok, bon, bah ça, c'est pas, ça sera pas défendable. On m'a parlé de 4 braquages de supérettes. Bon, je sais plus, j'en compte plus maintenant. Mais c'est vrai qu'un peu tous les jours, on fait des braquages. Est-ce que c'est traçable? L'argent? Non, l'argent. Non, les braquages. Si par exemple, on leur dit, il y a erreur, il y a eu que 2 braquages. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient voir qu'il y en a eu 4? Bah à chaque fois ils sont sur nos 4 braquages, enfin je sais pas s'il y en a eu plus ou moins, mais chaque fois ils nous poursuivent mais on les somme. Après ils savent pas forcément que c'est nous, mais mon collègue comme il avoue un peu tout parce que il est un peu fou dans sa tête, vas-y il entend des voix. Oui oui. Du coup bah je sais pas, je crois il a avoué tout du coup. Mais après il avoue pas pour moi donc moi je peux possiblement être dans que 2 braquages. Ouais, ok, bah, et bah on peut faire ça. Mais je crois que moi, non, j'ai pas été arrêté pour braquage, si. C'est mon collègue, je crois, qui a été arrêté pour braquage. Pardon, je m'étirais un peu. Normalement, vous avez tous les deux été arrêtés pour les mêmes choses. Hein. Moi, il m'a pas parlé de trucs différents. Vous êtes considérés comme tous les deux complices. Lui aura moins 50% parce que c'est le complice et vous, peine. Moi, je suis le complice du complice. A priori, pas selon la police. Ok. Moi, j'ai pris plus cher que lui, par contre, du coup. Ouais, là, mais du coup. Bah, ça, c'est pour le GoFast, je crois. Bah, à la limite, moi, je pense qu'on peut pas mal réduire la peine d'Oscar en plaidant la folie en plus. Là où ça devient un peu plus compliqué sera pour vous, c'est clair. Je vais essayer de faire ce que je peux. Après, je sais pas si c'est des esquisses valables, mais genre, après, je fais ça parce que c'est un peu la galère, on doit.
on doit mettre la daronne à l'abri et tout. Ouais, malheureusement, ça ne sera pas. Ça pourra pas être retenu. Mec, ça va, t'es. Non, on leur prévient à chaque fois. Ouais, à la limite. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous arranger avec Oscar si j'arrive à beaucoup réduire la peine d'Oscar et pas beaucoup la vôtre? Ah, du coup, partager entre vous et vous mettre bien pour pas que ça te coûte trop cher à toi et rien à lui. Bah ouais, je peux lui en parler, après okay, c'est un peu un connard, donc... Ok, bah je vais avoir besoin de reparler avec les policiers. Je pense qu'ils vont devoir vous ramener en cellule et j'arrive. Comment ? Ils vont devoir vous ramener en cellule, je pense, et après on se revoit. Ok. De toute façon, c'est plus pour réduire la peine en termes d'argent que ça va être utile. Ouais, après, je m'en fous de la peine en prison. Moi, c'est juste l'argent. Oui. Oui. Eh bien, on va retourner vers les cellules. Il nous attend là-bas, peut-être. Il me semble que j'ai entendu par télépathie que mon collègue a été libéré. Ah oui, sergent, on vous cherchait. Ouais. Ah, j'étais juste en face au bout du couloir, comme je dis. Ah, j'ai plus. Du coup, alors, je vous écoute. Écoutez, y a pas mal de choses. Déjà, y a un petit flou au niveau de qui est condamné pour quoi. Apparemment, ce serait du coup Francesco Rona, ici présent, qui est coprès de la majorité des délits. Alors, en fait, les deux ont été écopés pour la majorité des délits. Seulement, monsieur Santos a été condamné pour complicité, donc il y a une minoration de 50%. Le problème, c'est que tous les délits que vous m'avez cités, ils n'ont pas été commis par les deux, donc... On nous a avoué que les deux les avaient commis, alors... Non, Oscar Santos vous a avoué ça. D'ailleurs, on peut parler d'Oscar rapidement, On est allé discuter dans son quartier, il a même avoué. Oui, ah. Et c'était il y a longtemps. Ah ben, ça compte quand même comme des aveux, monsieur Rana. Oui, mais j'avais fait que deux ou trois braquages. Ah ben oui, on vous en a compté combien ? On en a compté 4. 4, ça veut dire que vous prenez dès le début, mais moi les 4 braquages... Ah oui, c'est vrai, vous m'avez jamais arrêté pour braquage. Ben oui. Oui, c'est ouais. Compliqué. Du coup, on est bon, monsieur Rana. Ah mais ça, on m'avait pas dit que vous preniez en compte des faits antérieurs. J'ai pas participé à tous les braquages que Oscar a fait. Hein. Ah bah après, je pense qu'il y en a qu'on ne connaît pas non plus, hein. Vous ne devez peut-être pas tout avouer. Hein. Si, je pense que si. Hein. Ah bah nous, on en a compté 4 pour vous deux. Alors. Après, Oscar, il en a fait plus que moi, je pense. Parce que des fois, il en fait tout seul. Ah bah, ce cas-là, on n'est pas au courant quand il en fait tout seul. Gardé de nous le dire. Mais du coup, oui, revenons sur Oscar rapidement. Vous êtes au courant de sa condition? C'est-à-dire... Il est malade, il a un pétocardie. Oui, il est complètement... Oui, il a des tendances colériques et il est suivi par un psy, oui, tout à fait. Ah, c'est pas juste des tendances colériques, on est sur un dédoublement de la personnalité, des troubles psychotiques très graves. Et il n'y a pas de... Enfin, on n'a pas eu de... Bah, écoutez, moi je pense que si il est reconnu, s'il est reconnu effectivement... Non, mais de toute façon, ce Santos a dit que comme il était libre, il s'en fout, il veut pas d'avocat. Il devait demander un avocat uniquement pour vous faire une danse sexy. Je vous dis ce qu'il m'a dit. D'accord, bon ça m'a beaucoup plu, mais c'est vrai que du coup, ouais, d'accord. Ça l'a beaucoup plu la danse, je ferai passer le message. Non, ça ira. Non, parce que je m'étais dit, à la limite, le problème c'est que là, à eux deux, ça va coûter très cher. Sauf que si on arrive à réduire beaucoup la peine de Monsieur Santos, ils peuvent s'arranger entre eux pour faire en gros 50-50 sur la peine de Monsieur Juana. Moi, ça. Bah ça après c'est leur arrangement entre eux. Et moi j'aimerais bien savoir aussi parce que l'avocat il m'a parlé de drogue dure mais moi. Oui. Vous m'avez dit drogue dure. Ah oui. Non, mais j'ai dit que je l'avais pas compté. Ouais mais. Ah sinon c'est parti directement fédéral là. Ok d'accord. Oui, mais drogue dure on en a jamais. On a eu un rapport des unités de terrain, apparemment. La marijuana, c'est trafique. De la drogue dure. Hein, ah non, là on parle de méthamphétamine, monsieur. Ah ouais ? Bah alors je suis pas courant, moi. J'en ai jamais fait. Je connais pas les points. Je sais qu'Oscar, il connaît un point, mais je sais pas si c'est de la meth ou de la coke. Oui, après on est peut-être pas obligé de revenir là-dessus. Je ne voulais pas compter. Est-ce que vous avez compté de la revente de drogue ? Du trafic de stupéfiants ? Non, je n'ai pas compté non plus. D'accord, oui, bah ça tombe bien parce que... On a vraiment été très consignants.
Là, c'est compliqué. Sur quoi exactement est-ce qu'ils vont être condamnés? Sur quoi est-ce qu'on pourrait jouer pour essayer de réduire la peine? En fait, si vous voulez, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait appel à un avocat. Tout ce qu'on maintient contre eux ont été des aveux. Donc, quoi qu'il en soit, ils nous l'ont dit. C'est pas moi qui a fait des aveux à chaque fois, pratiquement. C'est ça, c'est surtout Oscar Santos qui a avoué beaucoup de choses, sachant qu'il est complètement fou. Et j'allais le dire d'ailleurs, Il n'est pas complètement fou, parce qu'il a quand même sa part de lucidité. Même s'il a un dédoublement de personnalité, sa deuxième personnalité n'intervient pas forcément tout le temps. Il a quand même des délires, et c'est surtout ça qui prend le dessus quand il commet ses actes criminels. Oui, et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne l'a pas compté. Par exemple, les tirs suite à... Mais rien ne devrait être compté. Avec M. Leroux et M. Mios. Mais dans la loi américaine, il ne peut pas être tenu responsable s'il n'est pas maître de ses actions. Ah oui. Donc si on a... Dans ce cas-là, il faudrait l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Alors, il va vouloir sortir et tuer compliqué. Tout le monde. Oui, ben voilà. C'est bien pour ça que je vous dis qu'on a déjà été très consignant avec eux. Ouais. Donc du coup, de quoi ils sont accusés? Enfin, sur quoi ils sont condamnés, vraiment? 4 braquages de supérette, 4 refus d'entrée, conduite sans permis, excès de vitesse de plus de 30 km/h 2-3 fois. Faudrait que j'aille vérifier dans le dossier, hein, si vous voulez. Là, je fais de tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, vous m'aviez parlé de coups de feu. Ouais, oui, vous ne l'avez pas retenu. Oui, d'accord. Parce que les coups de feu, mon client n'est pas du tout au courant des coups de feu. Bah déjà, on a retrouvé des douilles dans les supérettes qu'ils ont braquées, alors bon. Ah bon? Ah bah oui. Ah oui, merde, c'est vrai, j'avais pas fait exprès de tirer sans faire une fois, mais... Non, mais c'est pas obligatoire de revenir là-dessus. Je vous dis qu'on a été consignants, on a été consignants, quoi. C'est vrai. Mais Je vous ai appelé parce qu'ils l'ont demandé, mais bon. De base, on a vraiment été sympathiques, hein. Notamment parce qu'ils ont fait des aveux. Oh, monsieur, on m'avait dit, un de vos collègues aux cheveux bleus... qui est plutôt sympathique, il m'a dit que là, justement, comme on fait des aveux et tout, on peut réduire les peines du moins des amendes. 30 000 euros, pas que la peine a été divisée en deux ou en je sais pas combien. En fait, là, on a été plus sympa, c'est qu'on vous a carrément évité la fédérale et tout ce qui va avec. Ah ouais? Ah bah oui, d'après les calculs, on était presque sur 3 jours de fédérale. Ah ouais, Après, donc bon, l'amende, on vous les a mis maximale pour les délits dont vous avez avoué. On vous a supprimé les sanctions pour d'autres aveux. Donc on a quand même été sympathique. À moins que vous ne préfériez l'amende, et dans ce cas-là, on vous emmène en fédéral. Après, c'est vous qui voyez. Ouais, non. Est-ce qu'on pourrait pas augmenter un tout petit peu le temps de prison et réduire un peu l'amende? Convertir un peu comme ça? 30 cellules maximales par la convention de Genève est de 30 minutes et on lui a déjà mis 30 minutes. Ah oui. Mais après, moi je suis consentant. Hein. Si c'est deux peines de prison différentes? Ah bah non, faudrait qu'on l'arrête deux fois. Bah je sors, il faudra pas lui mettre des charges en plus sur le dos alors qu'on l'a arrêté une première fois. Non, mais là déjà, j'ai été sympa. Normalement, quand le client parle avec son avocat, on arrête le temps de cellule. Là, je ne l'ai pas arrêté, donc dans 5 minutes, il peut. Ah oui, ça c'est gentil, ça, oui. Je savais pas. J'irai travailler, et puis votre amende, je sais pas quand je la paierai, mais quand j'aurai les 30 000. De toute façon, je vous ai dit, vous avez 3 jours pour les payer. Si jamais votre 3 jours, elle n'est pas payée, ce sera majoré de 50% et prélevé directement sur votre compte. Pas majorette. Majorette? Non, majorée. On rachète 50%. Donc, par exemple, là, vous avez payé 30 000, vous payez 45 000. Non, mais j'ai les pires clients, c'est supportable. 10-5, t'en veux pas, c'est réglé. Ah bah, ok. Ça marche. Bon, bah, désolé, monsieur Rodin, mais c'est vrai que ces histoires d'aveu, moi, je peux pas faire grand chose là-dessus. Hein. Bah, pas grave. Vous aimez bien ma tenue sinon? Vous êtes très sexy. Merci. Bon, on n'est pas là pour ça. Hein. Je vais vous remettre en cellule pour les 5 dernières minutes qui restent. Un film maître fort que je vais pouvoir vous accompagner. Oui, merci. Je vais être dans une cellule de toilette. Vous voulez une cellule avec des toilettes? Oh là là, mais j'ai des pires clients, c'est pas possible ça. Ouais, c'est bon. Les clés.
Oui, oui, non, mais je vais essayer de l'ouvrir au cas où, on sait jamais. Ah, c'est compliqué, hein. Ah bah oui, là j'enchaîne pas les meilleurs clients. Hein. Pourquoi ils vous ont appelé là? Mais bon. Dans tout ça, je peux même pas être rémunéré, moi je suis trop. J'ai oublié de leur parler de ça. Ah bah non, mais il me fait de la peine, il galère trop. Ouais, au bout d'un moment. Mais le truc c'est que s'il va vouloir me payer en argent sale, moi je peux pas. Si d'ailleurs, si par exemple on me donnait de l'argent de sale, qu'est-ce que je devrais faire? Bah venir au PDP, le déposer et nous dire qui vous a donné de l'argent. Parce que par exemple, moi il y a des gens qui m'ont déjà. Oui, d'accord, pardon. Il y a des gens qui m'ont déjà parlé de me payer au garage en argent marqué. J'ai refusé, mais si jamais ça devait arriver, est-ce que je pourrais quand même recevoir une petite part de l'argent? Ben normalement... Si je vous le livre après. Mais après, oui, on pourra demander de dommages et intérêts auprès de la personne concernée. D'accord, ok, bon, je... Vous récupérez 25% de la somme d'argent marqué. Mais en plus, bah, vous pourrez redemander la même somme à la personne. Ah, donc c'est plutôt pas mal, ça. Eh ben écoutez, j'essaierai. Oui, on va éviter d'arnaquer les gens non plus. Ah bah non, vous me connaissez, je serai toujours honnête avec les gens. Mais c'est des gens qui m'ont proposé, donc je leur dis non, mais c'est vrai que je peux leur dire oui. Mais par contre, les tenir au courant de ce qui va se passer après, quoi. Oui. Est-ce que je suis dans l'obligation de divulguer l'identité de la personne? Ah bah, c'est mieux, oui. Mais si par exemple c'est une pour enquête de police. Ah oui. Ouais, non mais on va éviter l'argent marqué du coup. Je pense que ça vaut mieux, oui. Ouais. Vous avez pas besoin d'un stagiaire course poursuite? Ah mais attendez, je crois que j'ai des clients au garage en plus. Oui. Oui non, faut que j'aille m'occuper d'eux. Mais en tout cas, désolé pour la perte de temps. Hein, j'ai fait ce que j'ai pu. Oh bah pas de problème, hein, c'est votre métier. Moi je suis obligé de le faire. Eh oui. Et c'est plutôt moi qui ai refusé de vous avoir fait perdre du temps. Non, bah, y a pas de soucis. C'est les droits du Randa, c'est comme ça. Eh oui. Bah écoutez, merci beaucoup, bisous. Pas de problème. Est-ce que les agents... On l'entend. Ouais, c'est là un peu. Hein? Ah oui, non, c'était sur Twitter. KJ Mécano Dispo. Mais j'ai son numéro. Salut, c'est toi? Puis, sûr. Ah non, je vais lui répondre sur Twitter directement. Ben là, de toute façon, notre amende a déjà été mise. Oui. Je suis au garage. Un peu bête. Alors, ce qui est évidemment faux, mais j'arrive. Elle est bien, ces petites Warrunner, quand même. Mais non, c'est pas par là. Ouh, pas bien. Ça va, et en vrai, ça va de fou. Putain, ça fait deux fois d'affilée que je me trompe sur ce virage. Bonjour monsieur. Yo man, ça va quoi man? Ça va très bien. Je peux t'aider? Ouais man. Ouais s'il te plaît, c'est toi le mécano man? Ouais, exactement, avocat garagiste. Ok, avocat garagiste, bizarre mot comme... Bref. Possible de changer la couleur de ce truc dégueulasse là? Bien sûr, bah je l'amène à l'intérieur, tu me suis? Man.
Allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est Francisco. Oui, oui. Je voulais savoir, vous recrutez ou pas en tant que mécano ? Ah, je sais pas du tout, faudrait voir ça avec le patron. On est déjà pas mal, hein. Pas mal, hein. Et vous pensez qu'il y a moyen que je me fasse recruter ? Je sais pas du tout. Faudrait voir avec le patron, il sera peut-être là ce soir. Ok. Et bah, je verrai ce soir du coup. Et, si tu veux, je pourrais t'envoyer son numéro. Bah, ouais, je veux bien. Ok, bah, je t'envoie ça bientôt. Bah, ok. Ça marche, bisous. Oui, pardon, désolé, j'étais au téléphone. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait comme, comme couleur ? Vous avez une idée ? La normale en full noir, qu'un accrocheux violet, man. Noir, noir mat ? Noir brun, normal. Le noir normal. Noir noir, celui-là. Ah ouais. Vous voulez que je le nettoie un peu avant ? Violet. Ouais, s'il te plaît, man. Je vais faire ça. Et c'est vrai que là, la couleur est moche, hein. Alors... Ok. Pour la facturation, je vais avoir besoin du nom et prénom. C'est monsieur... KG, man. Mais KG, c'est pas très clair. Est-ce que c'est KG comme Carl Jamarco ? Ouais, man. D'accord. Bon bah très bien alors. J'avais un doute. D'accord. KG. Alors, du coup, on avait dit du noir. Donc ce noir-là. Ouais, ouais. On en a plein d'autres, hein. Non, le noir le normal, man. Ok. Un accrage violet, comme ma casquette, man. Eh oui, eh oui. Alors, on en a pas mal, les nacrages violets. Ici, ouais. Celui-là est bien ? Ouais, ouais. On va voir ce qu'on a d'autre, quand même. Ah, celui-là est bien aussi. Moi, j'aime bien celui-là, hein. Ça, c'est bleu, man. Bah, il est violet améthyste. Non, tu m'avais dit celui-là, du coup. Ouais, ouais, man. C'est vrai qu'il est bien. Alors. Coûterait combien, déjà, pour ça ? Oh, pas beaucoup, je vais regarder ça. 71 218. Là pour l'instant ça sent $584. Ok, et si on met les vitres teintées Alors pour les vitres, moi j'ai un petit truc. C'est les plus foncées, c'est celle-là. Elle coûterait 327 de plus. Donc on serait dans les $900. Pas plus foncé ? Alors j'ai plus foncé, mais j'ai pas le droit de les faire. Celles-là, mais elles sont illégales. Donc tu risques d'avoir des problèmes. Alors je peux, mais il risque d'y avoir des petits problèmes au niveau de la justice. Et c'est pas la première fois que j'en ai. Ouais, le problème c'est que nous on risquerait d'en avoir parce qu'on n'a pas le droit de les vendre. Oh putain, mais vous faites ça, c'est pour les mettre, bordel. Oui, 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 oui. À la limite... $500 en plus. $500 en plus. $500 en plus, c'est bon ? Avec $100 en plus, ou 200. 500. C'est pour rembourser l'amende si jamais on se fait égoler. Ok, bon, tu me mets en... Sinon, y a l'autre modèle, hein. Oh, vas-y, on va partir sur le 500 aussi. Ça coûterait combien ? Lequel ? Le tout foncé ? Ouais. Bah là, on est sur 911, pardon, plus 500, donc 1411. Ok, vas-y, man. Allez. Est-ce que tu veux qu'on change autre chose ? Non, non, non. Les jantes, le klaxon, les néons, le kit RGB. Non, ça va aller. Je repasserai plus tard. Des pour petits stickers. Ok, ça marche. Oui, niveau performance, rien du tout.
Non, non, là, il y a le compte en bas qui fait un peu la gueule. Ok. Est-ce que t'as 500$ sur toi? Ouais. Parce que les 500, du coup, bah, je peux pas les facturer, hein, c'est entre nous. Ouais. Tiens. Oh, bah écoute, c'est gentil. C'est généreux. Please, man. Ça fait plaisir. Et voilà, la petite facture. Marche, man. Et voilà, man. Bon, je le ramène dehors. Hey, man. Ah, il est beau quand même, hein. C'est vrai que ça rend bien la couleur. Hein. Non, très bon choix, très bon choix. C'est joli. C'est un peu polling, mais merci quand même, man. Oui. Tu m'as dit que t'avais des soucis avec la justice. Si jamais t'as besoin d'un avocat, tu sais que je suis là. Hein. Je crois que je t'avais déjà donné mon numéro. J'ai déjà mon avocat Wish. Un avocat Wish? Ouais. Ah oui, bah moi je te propose un avocat. La justice. Tout ce que je dis, il va l'accepter ou le refuser, tu vois, c'est pas lui qui me défend, c'est moi qui me défends moi, et lui il valide ou pas. Ah oui, d'accord. Ok, bon bah écoute, si ça marche comme ça, c'est pratique ça, c'est bien. T'as vu ça? Ah ouais, ouais, ouais. Faudra que tu m'apprennes. Sort toujours plutôt pas mal. Ah ouais, non mais ça a l'air d'être un bon plan. Bah écoute, KG, si jamais t'as besoin d'autre chose, tu sais où nous trouver. Si, man. Mais de rien. Tu vas faire quoi là? J'ai pas trop de clients, à vrai dire, j'ai du temps libre. Bah là, je vais le rentrer au garage et puis après, je vais aller faire mes petites balades, tout ça, quoi. Ah oui, non, moi, je suis pas très balade. Des rodéos en moto, tout ça. Ah, des rodéos en moto, ouais, c'est marrant, ça. Ouais. D'accord, d'accord. Ok, bon, bah, écoute, bonne journée. Peut-être amuse-toi bien. Le scooter qui fait que là, ça va partir en couille. Ah, pourquoi ça partirait en couille? Faut pas que ça parte en couille, ce serait dommage. Si je sors le scooter, ça part en couille, c'est sûr. Ah bon? Pourquoi? Ah ouais. Ah, quand je monte sur le scooter, je deviens somnambule et d'après la police, je crie avec qui veut du shit. Ah oui. Ouais, bah ça arrive, c'est pas grave. Tant que tu es somnambule, c'est bon. Sur le scooter, ça menait somnambule. Pourquoi? Ouais, bah ça arrive. Mais du coup, peut-être éviter de sortir le scooter. Ouais, c'est ça. Mais après, le truc, c'est que j'aime bien le scooter parce qu'il lève hyper bien. Eh oui. C'est marrant parce qu'il avance pas. Eh oui, je comprends. Mais il y en a plein hein, qui se lèvent bien. Hein. La BF400, elle se lève hyper bien. Mm-hmm. Ok. D'accord. Bon, bah, ouais. Bisous, hein. Bonne journée. Vas-y, man. Oh, let's go, il m'a dit bisous. Je suis joie. Très bien. Bah, écoutez. Je vais aller farm un petit peu. Parce que est-ce que j'ai encore 20k là? Ah oui. Oh bah en vrai. Je vais quand même aller farm un peu. Quoique. Oh! Un message de Flywheels. Bonjour, vous êtes disponible. Bien sûr. Je vous attends au garage. Bon, je vais pas aller farmer du coup. Très bien, pendant ce temps-là, moi je vais faire ma petite compte, ça. Qu'est-ce qu'on a à compte AC? Ah, il y a un champ qui arrive. Bon. C'est lui, là? Pas du tout. Tout va bien. Ok, donc ça c'est bon. Ah mais oui, mais je suis con, j'ai 1000$ parce qu'il m'a payé.
Et... 47 000. Attends. J'ai un message, mais j'ai pas le temps. C'est qui? Vous pouvez voir, mais pas moi. Mecha. Speedy. Déjà. Minoret. Il me parle. Ah bah c'est lui. Serge Marco, toujours au garage même. Ouais, toujours. Bonjour, Monsieur Wolf. Ah, je vais vous laisser reprendre vos esprits. Ah, vous avez dit ? Vous m'entendez ? Oui. Très faiblement, mais je vous entends. C'est mieux comme ça ? Ah, parfait. Là, c'est beau. Attendez, je vais juste voir ce que veut l'agent. J'arrive. Oui, bonjour. Oh, bonjour. C'est pourquoi ? Une réparation ? Exactement, on a débloqué le fournisseur, donc forcément on a de nouveaux véhicules à faire améliorer. Ah, c'est pour l'améliorer aussi ? C'est ça, mais c'est pas pressé. Hein. C'est ok, ouais, bah, je vais m'occuper des autres clients d'abord et j'arrive. Voilà. Rebonjour Keiji, je m'occupe juste de Monsieur Wolf là, et je suis à toi juste après, d'accord ? Hey man. Je vous laisse discuter avec l'agent. Vas-y, je vais discuter avec... Bon ouais, alors, on va l'amener à l'intérieur, je vous laisse me suivre Monsieur Wolf. Je l'ai ouverte si vous voulez. Parfait, merci. Je suis vraiment en train de laisser le gangster. Ah, accélère bien. Alors. Dis. Ça, on va le garder pour eux. Hop, et Clyde Wolf. Ok. Alors, Monsieur Wolf, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce petit véhicule ? Déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau performance, sans forcément mettre de turbo ou de choses comme ça, mais un truc okay. Un peu sympathique okay. Pour commencer à améliorer. Surtout, ça... Elle a une bonne accélération, mais niveau tenue de route et ouais, donc un meilleur moteur, j'imagine. Peut avoir en fonction. Et changer la couleur, parce que le noir c'est joli, mais c'est hyper salissant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, d'ailleurs, je vais la nettoyer d'abord. Remettre le super klaxon que vous m'aviez mis sur la moto, le klaxon de 35 tonnes, celui-là il fait toujours fureur. Ah oui, bah c'est un de nos best-sellers. Il est très très bien en effet. D'accord, ça je peux le faire. Du coup, au niveau des améliorations, ouais, j'imagine. Donc, elle a une bonne accélération déjà, vous trouvez ? L'accélération de départ est pas mal du tout. Elle n'a pas une vitesse top maximale, je pense. Ouais, donc un meilleur moteur. Hein. En fait, sa vitesse maximale me suffit bien, mais c'est surtout, ouais, je trouve qu'il chasse un peu. Vous avez beaucoup de budget ? Là, les améliorations vont être quand même pas mal chères hein, sur ce véhicule. À vous de me dire. Très bien, je sais pas, transmission, je sais pas qu'est-ce que ça peut apporter les transmissions ou... Bah, les transmissions, ce sera justement un peu la réactivité, l'accélération, etc. Le moteur, ce sera vraiment plus de la vitesse, etc. Ce qui augmente aussi un petit peu l'accélération, forcément. Là, par exemple, pour améliorer le moteur, on serait sur 33 200 $. Oui, là, on est un petit peu au-dessus de mon budget, mais... Ok. C'était dans les 25 000, 25 000. Bah, les transmissions, c'est cher aussi. Je vais regarder ça. Niveau freinage, elle est bonne ? En niveau freinage, tiens, ça c'est la première chose. Freinage, il va en falloir parce que c'est pas ça. Bon, déjà, niveau transmission, on est sur 18 138 $. Ok, ça fait un petit billet. Niveau freinage, on est sur combien ? Les freins, en général, c'est un peu moins cher. Je vais regarder... Oui, les freins 5300. On peut faire directement. Allez. Déjà, ça va permettre de tourner un petit peu plus facilement. Oui, ça c'est sûr. Donc moteur trop cher, les suspensions du coup, bon c'est peut-être pas super intéressant. Suspension, ça va lui rajouter de l'adhérence un petit peu.
Non, justement, à partir d'un certain niveau, ça lui fait perdre de l'adhérence. Ça va de... En fait, plus on augmente les suspensions, plus elle se conduira un peu comme une voiture de course. Non, c'est pas du tout l'idée. Ouais. J'en sais rien du tout. Justement l'inverse de ce que je cherche à faire. Ouais, ouais. Puis les trucs de drift et tout ça, bah, c'est du vraiment... Du coup, transmission ou turbo. Hein. Après, je peux vous améliorer les transmissions un peu moins, mais c'est vrai que bah, personnellement, je le recommande pas, parce que si vous voulez les améliorer encore après, vous devrez pas... Enfin, il faudra quand même payer comptant. Il vaut mieux que j'économise. Et les transmissions au total, ça serait combien? Là, transmission plus frein, ça nous ferait 23 442. Sachant que le reste, la peinture et tout, sera pas très cher, je pense. Ah ouais, on peut envisager ça, allez. Je les installe tout de suite? Allez-y, ouais. Allez. Let's go. C'est de budget, donc on doit être à peu près dans les clous. Oui, ça devrait le faire. Alors, la peinture, est-ce que vous avez une idée de la couleur que vous voulez? C'est une bonne question. Déjà, il y a une couleur ou deux couleurs sur celle-ci? Sur celle-là, de mémoire, je crois qu'il y en a qu'une, je vais regarder. Ouais, il y en a qu'une. Moi, est-ce que vous avez sur des rouges sombres ou des bleus pas trop soutenus? Rouge sombre, je peux vous proposer moi personnellement le rouge vin qui est très très sombre. Sinon on a le rouge foncé classique qui est assez demandé. Le rouge cardinal aussi qui marche bien, on a le rouge brique. Voilà. Sur des teintes bleues un peu... On m'avait dit un bleu pas trop, un bleu assez sobre. Le plutôt bleu, clair ou plutôt foncé? Le bleu métallisé sur la moto, voir c'était lequel. Alors, le bleu métallisé... Tac, on l'a ici. Ah, c'est vrai qu'il rend bien. Ah, c'est pas mal, ça. Sur des choses, vous en avez passé un peu avant dans le catalogue. Vous m'avez montré un truc un peu avant dans le catalogue. Un bleu aussi, mais avec une teinte un peu plus canard. Oula. Si vous le voyez, vous me dites. Hein. Ça, je cherche dans le catalogue en même temps que vous. Ah, celui-là ? Pas du tout. C'était un bleu un peu sombre. Ça, c'est celui-là. Celui-là ? C'est vrai qu'il est pas mal aussi. J'aime beaucoup. Ouais, on part là-dessus. Ok. Ok. Klaxon 35 tonnes et on est bon. Klaxon 35 tonnes et on est bon. Oh la dingue. Bon, les affaires marchent bien aujourd'hui, hein. Il y a du monde dehors. Hein. Ouais. Celui-là, on est d'accord. Parfait. Ouais. Comme un marque de fabrique celui-là. Ah ouais. Pour la moto, ça plaît beaucoup. Ok, parfait, ouais, donc c'était 25 000 de budget. Eh bien, c'est nickel, puisqu'on en aura pour 24 451. C'est parfait. Je vous fais la petite facture. 451. Et voilà, monsieur Wolf. Très bien. Je la ramène dehors, vous pouvez me rejoindre sur le parking. Merci. Bon, du coup, je vais devoir aller m'occuper des autres clients, mais très bonne journée à vous. C'est toujours un plaisir. Mais merci, pareillement. Besoin. Et je vous souhaite une très bonne journée, bien sûr, j'oublie pas. À vous. Bisous. C'est très connoté. Alors, rebonjour, messieurs. Quelle connotation? Je vois pas ce que vous voulez dire. Bah, c'est comme quand on porte les couleurs d'une équipe de foot, quoi. Faut mettre deux violons sur la caisse. Bonne journée à vous. Journée, monsieur... Monsieur Wolf. Wolf, bien sûr. Je vous adore. Moi aussi, c'est un beau gars.
Keiji, c'était pourquoi pour cette voiture? J'ai la couleur aussi, pareil que le 4x4. Hein, Juste la couleur? Ouais. Et le truc, c'est que le commandant est arrivé avant. À la limite, on n'en aura pas pour longtemps si c'est juste pour les performances. Donc je peux m'occuper de lui rapidement et je m'occupe de toi après. Pas la qui à moi? Oui, à toi, Keiji. Et chacun son tour. Hein. D'accord. Bon bah, monsieur le commandant, je vous laisse me suivre. Allez. Tu sais, on a souvent du monde comme ça, hein. Ça arrive, hein. Ah ouais, mais là, j'en ai rarement vu autant. Ah non, c'est très fréquent. Ah ouais? Ouais, bah, les gens viennent beaucoup. Nous, on bosse énormément. Alors, je pense qu'on est un peu moins surchargé que vous. Ouf. Mais... D'ailleurs, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je vois les traces, là, sur l'Interceptor. Vous avez fait une demande auprès des autorités pour savoir d'où ça vient? Mais c'est vrai que c'est quand même dommage. On n'a pas le temps de s'occuper de ces choses, malheureusement. Bon, de toute façon, j'imagine que pour ce bolide, je mets toutes les performances à fond et on voit après combien ça coûte. C'est ça. Allez. Je crois que ça devrait être 100... Ah non, c'était la Dodge qui était à 117 000. L'intercepteur... Eh ben écoutez, je crois que je peux vous le dire, je vais vérifier. Ah ben non, mais j'avais pas fait l'amélioration. Donc bah on va voir. Comme ça, en même temps, je note les devis et comme ça, je sais quel montant je dois préparer pour les prochaines fois. LSPD. T'as fait le test de parachute, du coup, et le demi-tour d'urgence? Frein. 6800. D'accord. Moteur. 42 550. Boum. Suspension. 14 885. Hop. Transmission. 23 255. Hop. Et turbo. 18 765. Hop. Vous devriez pas avoir un système de ventilation à peine De quoi? Par rapport au pot à l'intérieur? Au pot d'échappement? Ouais. Bah apparemment on s'en sort bien, vous voyez, hein, sur le plafond il y a quand même beaucoup de cylindres. Mais... Hein. Non mais c'est vrai que ça m'avait marqué au début, mais au final on s'en sort bien. Hein. Vous voyez, l'air est quand même assez respirable, bon ça sent le pneu, hein, on va pas se mentir, mais bon ça va. Oui, il faut que t'en achètes un, c'est sur le tour. Et ça prend directement sur les fonds et la speedy. Je te laisse regarder la grille, je la connais plus par cœur. Ok, bah j'ai terminé. Alors Du coup, ouais, pour l'Interceptor, on est sur un total, j'ai compté la minoration, on est sur un total de 131 756. On est d'accord que c'est bien 20%, hein, la réduction de la main d'œuvre. C'est 20%. D'accord, ouais. Ok. Ouais, bah c'est bon, alors c'est ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que la Kuruma était aussi à 756 à la fin. Ça me fait rire, ces controns qui se répètent. Ah, les controns, c'est normal. C'est qu'on a un système d'arrondissement. Là, en fait, c'était 756 et 20 centimes, mais on vous offre les 20 centimes. La somme est toujours arrondie, on n'embête pas les gens avec les centimes. D'accord. Bah, je vais me mettre la facture et puis je vais faire un transfert depuis le PDP. Je crois que c'est bon. J'ai pas oublié un zéro. Mon chiffre. 131 750. Ok, non, c'est bon. Envoyez-moi un petit message quand même avant la facturation, s'il vous plaît. Bon, après, je me doute que je me douterai d'où vient l'argent, mais... Alors... Ah, sauf si vous le faites tout de suite. Si vous le faites tout de suite, c'est bon, mais c'est... Je l'amène dehors. Hein. Oui. Oula.
après bon, t'as ça pour la police. Bah t'as ça, hein, quand les flics ils me parlent, tu vois, je fais ça comme ça, ça leur dès que tu peux le poulet. Mais faut pas leur dire trop ça. Faut le penser. Après, j'ai ma pause au cas. Après j'ai. La population sans tout le monde. Et voilà, bon il. Oui. J'ai un agent qui va venir chercher, enfin améliorer sa Kuruma. Bon, il attendra que vous ayez fini avec vos clients, évidemment. Mais si vous pouvez mettre déjà la facture de 45 756, comme ça je vous la paye direct. Mais vous êtes sûr que c'était ça le prix? Oui, bah c'est la voiture qu'on a améliorée tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'est moi qui ai pris du KFC, c'est pour ça. Pour ça. Ouais, ça sent fort le poulet. De quoi, du KFC? J'ai mangé du KFC, c'est pour ça il dit que ça sent le poulet, mais c'est de ma faute, désolé. Ah. Ouais, ça sent un peu beaucoup le poulet. Hein. Vous avez bien su la facture, monsieur le commandant? Oui, par contre, il y a une erreur de 2000$. C'est pas grave. Ah, 45 000, c'est vrai? Ouais. Oui, je vais t'en reparler juste après. Et bah, ce sera retenu sur la prochaine facture. Très bien. Oulala, qu'est-ce que c'est que ces affaires-là? C'est pas très légal tout ça? Bah, si, on s'est juste trompé, Jackie, c'est oui, bon. Oui, on se trompe. Oublie de déclarer des sous, hein, c'est pas très net, hein. Ah bah si, on déclare tout, tout est bon. J'espère que votre comptabilité est aux normes et la vôtre. Allez, exemplaire. Ça, c'est un bon avocat, ça. Vous doutez de la comptabilité de la LSPD? Oui, pourquoi? Bah, je vois même pas comment est-ce qu'on pourrait. Je vois même pas comment est-ce qu'on pourrait sortir des fonds sans que ça soit pas enregistré sur les registres. Ah, vous savez, moi les administrations publiques, je leur fais plus confiance. Hein. Le nombre d'affaires qu'il y a eu, ce serait pas la première ni la dernière. Je vous mets pas en cause, vous ou commandant, hein, mais bon. De manière générale, j'ai une méfiance. Attendez, je m'écarte. Tu disais quoi parce que... Bon, on peut peut-être y aller, nous? Oui, monsieur Gianmarco, allez-y. Ouais, bah c'est mal, la voiture, elle est là. Pas tout, tu la rentres, man. Allez, je vais la rentrer. Hey, man, fais attention à l'hydraulique, hein. Ça... Tu veux monter, à la limite? Comme ça, t'as pas besoin de me suivre à pied. Ah bah, de toute façon, elle est fermée. Bon, elle est ouverte, man. Ah, merci. Pense quoi de la voiture, man? Elle est bien, elle est stylée. Elle fait un bon bruit en plus. Les haut-parleurs dans le coffre et ensuite, tout. Ça va en faire plein. Ah. Après, c'est pas obligé de s'en servir pour des courses poursuites. Ah, je plaisante, man, ça va pas ou quoi? Celle-là, c'est ma voiture de civil. Et tu voudrais les mêmes couleurs que sur le camion de tout à l'heure? Ouais, man. Je sais pas ce que ça donne niveau oui, peinture secondaire. On va mettre dessus en noir. Primaire et la secondaire. Ah oui, effectivement, ouais. Donc les deux en noir? Ce noir là, hein. Ouais, comme l'autre, hein, le noir normal. Nacrage violet, comme la casquette. Et alors le violet, on avait mis celui-là, je crois. Ouais, il me semble, ouais. Ok, est-ce que tu veux autre chose? Des néons, des phares, des... Quoi que ce soit. Ça sera pour plus tard, man. Ok, on s'arrête là, du coup? Ouais. Parfait. Bah, je vais la remettre dans le garage, on se retrouve à l'accueil pour la facture. Hey, man. J'arrive, Jackie.
Ok, alors. Ah, attendez un instant. Commandant Pierre. Ok, alors. Et voilà, pour la petite facture. Vas-y, man, je te paye ça. Et ah, merci. Bah écoute, très bonne journée. Tu voudras repasser pour d'autres peintures ? Non, ça va être bon, man. Ok, bah super. Ça va être bon. Nickel, bah s'il y a besoin de quoi que ce soit, tu nous dis, on est là. Vas-y, hein. Man, on se capte. Bah de rien. Ouais, bonne journée. Bisous. D'accord, ok, bah, je vous rejoins vite alors. Non, pas encore. Ah ouais, il a des problèmes de scooter, ouais. C'est pour la moto ? Ok, ben bah, on va faire ça. Bonjour, enfin, je finis avec Monsieur White et je suis à vous, ok ? Très bien, pas de soucis. Nickel. Allez hop, on se retrouve à l'intérieur ? Réparer les motos. Ah. Attends. Qu'est-ce qui se passe ? Alors. Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, faut changer la couleur. Remettre un bleu foncé. Ok. Je crois que c'est vous qui me l'aviez refait la couleur, mais finalement. Ah, sur celle-là, ça me dit rien. Peut-être pas vous, je sais plus. Ah non, c'est. Non, je crois pas. Le dernier employé dont j'ai omis le nom. Ah, Aidan ? Aidan, voilà. Hmm. Alors, un bleu foncé ? Ouais. Alors, on en a pas mal. Très foncé, plutôt quand même très bleu. Plutôt. Parce que. Plutôt. Faut qu'on. Ah, comme ça ? Ça, ok. Dire, ouais. Alors attends, je t'en montre un juste. Je sais qu'il il marche bien celui-là. Ah, je l'ai déjà passé. Celui-là. Je sais qu'il est souvent demandé. Est-ce que ça te plaît ? Non, pas trop. C'est. Ah, t'en as passé un qui était pas mal. Celui-là ? Là, ouais. Celui-là, j'aime bien. Celui-là ? Oui, bah c'est celui de tout à l'heure. C'est le bleu foncé classique. Ah bon, bah voilà. Allez, on part là-dessus. Alors attends, faut que je te fasse la feuille. Alors. Jack White 268. Ok. Et quoi d'autre ? Ce serait combien la transmission ? On va regarder ça. Bon, sinon toi ça se passe bien tes affaires d'avocat en ce moment ? Pas trop mal. Bah apparemment je dois aller au PDP donc je sais pas ce qui va se passer mais. Là bah j'espère que c'est pas les Vagos. Moi tout à l'heure j'ai eu affaire à eux, ils m'ont appelé bah, parce qu'ils ont demandé un avocat et ils avaient déjà tout avoué. Donc ouais c'était une super bonne affaire. Les transmissions c'est 14 510. Allez. Donc au total ça ferait à peu près 15 000 de total avec la peinture. Ouais. Bon, on parle là-dessus alors. Allez, autre chose ? Non ça ira pour l'instant. Ok. Merci. Nickel. Alors bah, je la remets dehors, je te laisse m'attendre à l'accueil pour la facture. Ouais merci. Ok, alors il y a du monde. Hein. Ouais, 14 913. Et voilà. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Très bonne journée. Bon courage au PDP. Pareillement.
pardon, j'ai pas tenu la porte. Y a pas de soucis. Dis-moi, t'as vu sur l'intranet qu'on avait accès aux fiches d'amende maintenant ? Oui, mais toujours pas mis sur le site de la ville, hein, donc ils ont pas intérêt à les appliquer. Oui, oui, oui. Non mais justement, on peut regarder que les anciennes. Faut pas prendre compte des nouvelles. Hein. Oui, oui. Ok, bah nickel. Bah, bonne journée. Bonjour. Salut Peter, est-ce que tu pourrais améliorer ma Kuruma ? Ah oui. Custom. Oui mais attends, mais l'officier qui est là-bas. Ah oui attends, ah oui c'est celle-là la Kuruma, d'accord. Bah il était là avant ton collègue. Du coup je vais peut-être m'occuper. Je vais partir pour. Ah d'accord, ok. Ok bon bah je vais faire ça. La Kuruma qui a déjà été payée par le commandant, c'est ça ? Je sais pas. Eh bien, demande-lui quand même au cas où. Commandant, vous avez déjà. Oh la dingue. Faut courir. Bah, il a foncé dans un bidon ou je sais pas quoi et. Pire, ça va ? Ouais, ça va. Oh la vache. Ça va ou ça va faut appeler les EMS ? Non, ça va aller, j'irai les voir après. On a un problème là. Ouais, là ça va être compliqué tout ça. Ouais. Du coup, je fais quoi, commandant ? Je demande une indemnisation ou pas ? Oh la dingue. Qu'est-ce que t'as fait en fait ? Tout va bien ? Mais c'est comme la dernière fois avec la voiture de Boris. J'ai esquivé le tonneau, mais il a quand même explosé. Donc voilà. Mais la dernière fois, la voiture de Boris s'en était mieux sortie. Là, c'est pas trop. Ouais. C'est une voiture quoi. Ah oui, non, là c'est compliqué. Attention quand même, hein ! Attention, hein ! Elle a déjà explosé, mais faites. Ah oui, ah ouais, très bien. Ah, vous êtes pompier aussi ? Ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Non. Mais... D'accord. Ah, c'est quand on a plus de charge alors. Eh oui, ouais, c'est d'accord. C'est moi, c'est avec Tercel. Discat. Fais une gaffe. Bon, et du coup, on fait quoi ? Parce que du coup, moi j'ai plus de Kuruma là. Bah. Je vais pas la repayer. Que... Hein ? Ouais, je vais pas la repayer. Ah, hein. Elle est pas retrouvable en fourrière après ? Ah non, mais ça part à la casse, hein. T'as vu l'état dans lequel elle est ? Le moteur est cramé, la portière est cramée, les sièges sont fondus, les pneus ont éclaté sous la pression. Ah ouais, non, ça part à la casse, hein. Oh la tongs. Aïe. On appelle le service garantie à l'SPD. Ah bah là c'est le garage, hein. C'est le... Oui je sais, mais faut récupérer la... C'est l'assurance du garage. On va faire les papiers, hein. Ouais, bah... Je te laisse t'occuper des papiers, hein. Moi j'en ai ras-le-bol des paperasses. Ça marche. Bah qu'est-ce que je fais ? Je reviens avec une autre et je prends la même plaque quand même ? Ouais. On reprend la plaque. Elle sera évidemment gratuite. Hein. Et du coup, on va devoir rembourser la voiture, nous, c'est ça ? Je vous laisse voir avec votre assurance et puis le collègue. D'accord. Vous êtes où ? J'arrive. Bon, bah, je suis vraiment désolé, hein. Bah, pas de problème. Tu veux que je t'amène au concessionnaire ? Est-ce que tu peux signer, s'il te plaît, pour les papiers ? Ok. Je signe quoi, là, au juste ? Bah, là, tu signes le constat, comme quoi... Ah oui, d'accord. Ton véhicule a été explosé suite à une explosion dans ton garage. Ok. D'accord. Et le commandant m'a dit de voir avec mon assurance, mais moi, je suis pas du tout au courant de ces histoires d'assurance. Ouais, bah, c'est ça, bah, c'est... On va peut-être voir avec le patron. Oui, bah écoute, de toute façon il y a le papier en double, donc je prends ma partie, hop. Et puis toi tu vas avec ton patron pour envoyer
à l'assurance, t'en fais pas. Ok, d'accord, ça marche. Bon, est-ce que tu peux me déposer au PDP? Ouais, ouais, complètement. Ça, je vais racheter un véhicule. Non, mais prends ton Nissan Sentra 14, je vais aller. Et t'es sûr que ça va tout ça? T'as l'air de boiter un peu quand même. Ouais, bah j'ai été un peu secoué, je crois que je me suis un peu fait mal au genou en tombant, mais bon, ça devrait aller, hein. Ok, ouais, ça marche. Tiens, on va se prendre une bonne voiture. À rentrer dans les gens et à s'envoler. La dernière fois, il était en vélo. Il était en vélo et il nous fait un ici. Allez, vas-y, 14, rejoins-le. Parce que là, on va chercher à nouveau ma courbe. De toute façon, c'est un scooter, il est lent, donc on a largement le temps d'agir. Même avec un intercepteur. Ah, vous avez un problème de scooter? Ouais, le scooter qui est passé dans ton garage. Tu veux que je te mette un point ou pas? Non, non, c'est bon. J'ai ma petite route. Ah, ça, c'était un feu rouge, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que je l'avais pas remarqué. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, sur les rocades, j'ai du mal à aller voir les feux rouges. Ouais, bah, y en a qui sont vraiment bien cachés. Oui. Quand vous voulez que je vous l'appelle, comme ça au moins il est occupé. Ça faisait longtemps que j'avais pas conduit avec un flic, hein. C'était bizarre. Oui, bonjour, c'est Jean-Marco, ça allait bien? Ça va très bien, qu'est-ce que vous faites là? Ah bah là, je suis en train d'écouter la radio LSPD et on me dit que votre scooter serait encore en train de faire un délit de fuite, enfin un refus de tempérer plutôt. Et c'est encore de nuit, c'est ça? Ça, j'ai failli lui péter la gueule. Bah oui, mais bon, faudrait qu'il s'arrête du coup. Bah arrêtez-vous, hein, ça va mieux pour vous. Bon, écoutez, je dois vous laisser, monsieur Jean-Marco. Bon courage à vous. Merci. Bon, si vous l'avez vu au téléphone, vous pouvez le choper. Hein. Merci. Mais y a pas de quoi. À tout à l'heure. Oui. Je dis comme un sac. Eh bien, quelle histoire. Mais il est 16h59. Oh la dingue. Oh la dingue. Ah, le temps passe vite, hein. Bah c'est la dingue.
Plasmas. Je répondrai après. Alors. Sergent. Merde. Sergent. J'avais pas regardé l'heure. Et je dois m'absenter. Je serai de retour. Tour ce soir. Et on pourra voir tout ça. Après le défilé. Encore désolé du désagrément. J'ai dit quoi ? Du désagrément pour ça. Très bien. J'avais pas vu l'heure du tout. Bah, faut que je me barre. Allez hop. Let's go. Let's fucking go. Ok. Mais je file. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, j'arrive vers 22-23 heures, je pense, un truc comme ça. Donc portez-vous bien. Ok. Et je vous fais des gros bisous. À toutes, portez-vous bien.